Il avait un peu recalcitrant. C'est une invitation à rester calme. Il a une petite fragilité sur l'avant. Non, parce que je pense que s'il n'est pas déplié complètement, il se replie. Oui, mais là, il ne faut pas. C'est pas bien. C'est plus haut. À quelle distance il faut que je sois? Tu vas voir le son que ça donne. Il faut laisser droit, là, derrière. Tenu comme ça. Et après, il faut l'avancer. D'accord. Après, vous pouvez monter en hauteur. Ah non, ça serait plutôt baisser. Mais il est... Il y a deux écrans en fait. Il y a deux. Ouais, j'ai une pression. Cindy, c'est bon ? C'est bon ? Très bien, eh bien, je vous propose de démarrer notre séance du Conseil communautaire. Donc, je vous souhaite la bienvenue à toutes et à tous. Avant de démarrer cette séance, je voudrais partager avec vous une information, une nouvelle, une triste nouvelle. Nous avons été informés très récemment du décès de Didier Frémy. Donc Didier Frémy a été vice-président des Vallons de la Tour, notamment en charge de l'habitat. Et je crois qu'on lui doit le premier PLH qui s'est élaboré au Vallon de la Tour. Il a été ensuite conseiller communautaire des Vals du Dauphiné. Voilà, donc c'est une triste information. C'était quelqu'un qui était très investi, je pense, dans la vie publique. Il a été vice-président du SCOT. Voilà, donc je vous propose, je pense qu'il ne souhaitait pas qu'on fasse un hommage particulier, mais je vous propose quand même, en sa mémoire, de procéder à une minute de silence. Merci. Bon, je ne vous rappelle pas les règles de prise de parole. Vous êtes tous habitués maintenant, je pense. Par contre, je rappelle l'importance d'émarger. Donc, pour ceux qui n'auraient pas émargé en arrivant, il est important de le faire. Et on va donc procéder à l'appel. Donc Valérie Argout, absente et a donné pouvoir à Ludovic Leprêtre. François Boucli, absent. Besma Caron, absente et a donné pouvoir à Philippe Latour. Benjamin Gassaldello, absent. Philippe Latour, présent. Ludovic Leprêtre, présent. Roger Marcel, présent. Noël Morel, présent. Nicolas Saulier, absent. Et a donné pouvoir à Edith Chambaz. Edith Chambaz. Bernard Évrard. Donc Bernard, il fera penser à émarger. Patrick Belmont. Présent. Corinne Magnin. Présent. Joël Battier. Présent. Christophe Brochard. Absent, a donné pouvoir à Joël Battier. Frédéric Lelong, mais je pense que
Les informations sont prises par les équipes aussi, Michel. Frédéric Lelon, absent. Thérèse Tisserand, présent. Jean-Marc Bouvet, présent. Max Gauthier, Edmond Decoux, Véronique Seychelles, absente. Jean-Paul Bonnetin, présent. Delphine Hartmann, présent. Luc Blanchet, absent. Jean-Marc Damet, absent et a donné pouvoir à Philippe Guérin. Chantal Huguet, absente et a donné pouvoir à Noël Morel. Christelle Bas, présent. Daniel Witt, présent. Laurent Michel, présent. Catherine Angelin, présent. Dominique Chey, absent. Michel Serrano, présent. Jean-Louis Reynaud, présent. Marie-Christine Frachon, absente et donne pouvoir à Jean-Paul Bonnetin. Céline Revol, présent. Cédric Milani, présent. André Guichère, présent. Magali Guillot, absente. Patrick Blandin, présent. Jean-François Deldic, présent. Jacqueline Guichard, présent. Philippe Guérin, présent. Joël Magot, présent. Jean-François Pilot-Tirard, présent. Alain Courbout, absent. Michel Reynaud, Michel Cléier-Merle, absent. Maxime Durand, présent. Isabelle Fournier, présent. Jacques Garnier, présent. Bernard Badin, présent. Ella Mahoun, absente. Claire Durand, présent. Vincent Durand, présent. Estella Garcia, absente et donne pouvoir à Vincent Durand. Présent. Jean-Paul Paget, présent. Fabien Rajon, absent et donne pouvoir à Claire Durand. José Rodriguez, absent. Géraldine Stival, absente. Gilles Bourdier, présent. Jean-Michel Ferruy. Présent. J'ai oublié personne? Non. Vous faites signer. Voilà. Donc, Géraldine Stival. Présent. D'accord. Donc, Géraldine Stival vient d'arriver et Delphine Hartmann part à 8 ans moins 20 et elle donne son pouvoir à Christelle Bain. Donc, le quorum est donc atteint. Il nous faut maintenant désigner un secrétaire de séance. Et je crois que c'est Michel Serrano qui va se charger de cette tâche. Je ne pense pas qu'il y ait nécessité de le passer au vote. Hein, je ne crois pas. Lecture des décisions du président. Donc, deux décisions. Une décision en date du 5 mars. Décision du numéro 19 qui concerne l'actualisation des tarifs des boutiques de l'Office du tourisme pour mars 2024. Et le 5 mars également, la décision numéro 20 qui concerne la demande de subvention dans le cadre du programme Territoires d'industrie 2023-2027. Il nous faut également approuver le procès-verbal du Conseil communautaire que vous avez tous reçu avec les convocations. Y a-t-il des commentaires ? Non. Eh bien, qui s'oppose à l'adoption de ce compte-rendu ? Qui s'abstient ? Donc, le compte-rendu est adopté à l'unanimité. Je vous en remercie. Je dois vous informer également d'une modification de l'ordre du jour. Nous avions une délibération qui portait le numéro, la référence 1.5, et qui concernait la convention financière tripartite pour la réalisation d'une étude mobilité à Pont-de-Beauvoisin, Isère. Et Savoie, dans le cadre du programme Petite Ville de demain. Donc, il y a quelques petites modifications qui interviennent dans le financement, et notamment dans les clés de répartition du financement, qui nécessitent de reprendre cette délibération. Donc, je vous propose de la retirer de l'ordre du jour et la présenter lors du prochain Conseil communautaire. Y a-t-il des oppositions, des abstentions ? Donc, nous confirmons le retrait de cette délibération de l'ordre du jour.
On a un ordre du jour qui est assez chargé ce soir, puisque nous avons 58 délibérations. Alors, moins une, ça fait 57 délibérations. Sur les 57, il y en a quand même 34 qui concernent la partie finance. Donc, il y aura une grosse contribution de Laurent Michel. J'espère qu'il est prêt. Voilà. Et je vous propose de démarrer tout de suite avec le sujet du développement durable, avec la délibération 1.1 qui concerne une convention relative à l'installation de stations de mesure de qualité de l'air. Et la parole est donnée à Gilles Bourdier, vice-président. Merci. Bonsoir à toutes et tous. J'ai pas pu toutes vous et tous vous saluer. Cette première délibération concerne une convention type que je vous propose. Cette convention a pour objectif la prise en charge par la communauté de communes de l'installation de stations de mesure de la qualité de l'air. Ces installations, donc il y a une dizaine de stations qui seront installées sur notre territoire, s'inscrit dans le cadre du PCAET et en particulier dans la partie A du PCAET, la partie R. Vous n'êtes pas sans savoir que l'intégralité de la communauté de communes est inscrite maintenant dans le plan de préservation de l'atmosphère de Alpes-Grenoble-Dauphiné et qu'à ce titre, différentes actions ont été mises en œuvre. On en a déjà parlé, notamment la prime air-bois pour inciter les ménages à se convertir à un chauffage bois qui émet moins de particules fines. Dans ces différentes actions, nous avons aussi répondu à un appel à manifestation d'intérêt de la part de la GDN. Cette manifestation d'intérêt, pardon, ce projet consiste à installer 10 stations de mesure de la qualité de l'air sur notre territoire et dont la finalité n'est non pas de mesurer si l'air est bon ou mauvais, mais de mesurer l'impact que pourrait avoir la végétation, quel type de végétation sur la qualité de l'air. Dit autrement, il y aura une station référence sur notre territoire du côté de Saint-Jean-de-Soudun et un peu partout sur le territoire, dans des environnements proches de routes ou proches d'industrie, par exemple. On va installer des capteurs et on va installer un deuxième capteur à proximité derrière un couvert végétal, le plus souvent. Et on va regarder sur un peu plus d'un an l'effet que peut avoir la végétation sur la qualité de l'air. Est-ce qu'en hiver, quand il n'y a pas de feuilles, on n'a pas d'effet? Et puis au printemps ou à l'été, lorsque le couvert végétal est vivant, ces plantes peuvent capter ou pas des polluants atmosphériques et lesquels? Voilà, je vous ai à peu près tout dit. Il s'agit de vous faire approuver, si vous en êtes d'accord, évidemment, une convention qui a pour objet de faire prendre en charge par la communauté de communes l'installation de ces capteurs. Je précise que certains capteurs sont sur le domaine public et d'autres sur le domaine privé. Et on a fait le tour avec Sabrina Moribon, que je profite pour remercier, de l'ensemble des communes et des propriétaires fonciers pour voir avec eux ce qu'il était possible. Eh bien, moi, j'aime bien quand on présente des délibérations d'essayer de voir comment on peut les mettre en perspective notre projet de territoire, parce que finalement, c'est ça qui guide un peu nos actions actuellement. Et sur ce projet-là, cette mise en place de capteurs, je rappelle qu'on a une ambition qui porte le numéro 1.3 et qui dit la chose suivante: mettre en place des mesures contribuant à la qualité de l'air et de l'eau comme facteur important de la santé et du cadre de vie sur le territoire. Donc, on est parfaitement dans cette orientation que nous avions définie ensemble dans notre projet de territoire. Avant d'annoncer la portée de la décision, je voudrais peut-être qu'on se mette d'accord sur une proposition. Systématiquement, dans les portées des décisions, il y a le fait d'autoriser le président ou en cas d'empêchement un vice-président à signer au nom et pour le compte de la communauté de communes toute pièce de nature administrative, technique ou financière nécessaire à l'application de la présidente délibération. Si vous en êtes d'accord, je vous l'ai dit une fois, vous la gardez en tête, ce qui nous évitera de la répéter dans la présentation de portée des décisions. Donc il s'agit d'approuver la convention type organisant l'installation temporaire des stations de mesure de qualité de l'air entre la communauté de communes et les propriétaires concernés et de dire que les crédits sont prévus au chapitre 011. Donc avant de procéder au vote, y a-t-il des questions concernant cette délibération? Non? Eh bien, qui est contre? Qui s'abstient? Eh bien, cette délibération est adoptée à l'unanimité. Merci.
Deuxième délibération, toujours dans le champ du développement durable, donc la 1.2, il s'agit de la convention d'objectifs avec l'AGEDEN pour la contribution au programme d'action pour la transition énergétique en Isère pour l'année 2024 dans le cadre du programme national Savoir rouler à vélo. Et la parole est redonnée à Gilles Bourdier. Donc, vous n'êtes pas. Vous rappelez qu'au mois de septembre, on a adopté le schéma directeur mode doux et qu'une des composantes de ce schéma directeur consiste en l'animation et l'envie de donner aux enfants, notamment, de faire du vélo et de pratiquer du vélo, non seulement d'un point de vue émotionnel par rapport à la joie ou au plaisir qu'on peut avoir en faisant du vélo, mais aussi d'un point de vue sécuritaire. En leur enseignant les règles élémentaires de circulation en agglomération ou hors agglomération, et en leur enseignant aussi les rudiments de l'entretien du vélo. Dans ce cadre-là, nous vous proposons de passer une convention avec l'AGEDEN pour animer sept sessions. Alors une session, c'est trois jours dans le cadre scolaire. Et ça s'inscrit dans le programme qui est un programme national qui s'appelle « Savoir rouler à vélo » et qui s'inscrit dans un des fondamentaux que doivent maîtriser les enfants au sortir de l'école élémentaire. Donc je précise que le coût de ces actions, de ces 3 fois 7 jours, c'est de à peu près 22 000 euros. Vous me pardonnerez les quelques euros manquants. C'est complémentaire du permis vélo, c'est un peu plus poussé que le permis vélo. Et donc là aussi, si on fait le lien avec notre projet de territoire, on a l'ambition 3.4 qui rappelle notre volonté d'encourager et faciliter le recours aux alternatives à la voiture individuelle et de développer l'intermodalité. Y a-t-il des questions par rapport à cette délib ? Non. Donc, il s'agit d'approuver la convention d'objectifs entre la GEDEN et la communauté de communes pour la contribution au programme d'action pour la transition énergétique en Isère pour 2024 dans le cadre du programme national Savoir rouler à vélo et de dire que les crédits sont bien prévus au chapitre 65. Y a-t-il des oppositions, des abstentions ? La délibération est adoptée à l'unanimité. Troisième délibération qui porte sur la convention d'attribution de subventions à la commune des Abrets en Dauphiné dans le cadre de l'appel à projet à mobilité. Et là aussi, j'ai fait le parallèle avec notre projet de territoire, l'ambition 3.4, qui rappelle notre volonté d'accélérer la mise en œuvre des aménagements prescrits par le schéma directeur des mobilités douces en contribuant au financement des aménagements cyclables réalisés par les communes à travers un appel à projet et des fonds de concours. Et donc, Gilles Bourdier va nous présenter cette délibération. Donc, la commune des Abrets en Dauphiné a souhaité aménager un itinéraire mode doux le long de la RD... Philippe, aide-moi. C'est celle qui va à Chimilin, voilà. Dont j'ai plus le nom en tête. 592, voilà. Donc, il s'agit d'une voie verte. Et l'itinéraire fait à peu près 1 km. Donc cet itinéraire-là s'inscrit bien dans le schéma directeur technique que nous avons voté fin d'année dernière. Et cet itinéraire a été repéré en niveau 2 de priorité, ce qui ouvre droit à la commune des Abrets à une subvention à hauteur de 60%. Donc si vous êtes passé par cette voie-là, ce dont je ne doute pas, vous avez pu voir que la commune a fait de gros travaux routiers. J'en profite pour saluer Monsieur le maire des Abrets en Dauphiné. Comme par hasard, on parle d'argent et vient. l'aménagement cyclable en lui-même représente 79 539 euros dans sa totalité, 40% pris en charge par la commune des Abrets en Dauphiné. Et je vous propose que, conformément au schéma directeur mode doux, la communauté de communes prenne en charge 60% de cette somme, soit 47 723 euros. Avez-vous des remarques ? Oui, bonsoir tout le monde. On va passer ce soir plusieurs... Tu peux te présenter ? Ah, c'est les règles. Bon, Max Gauthier, maire de Chelieu. Je crois que ce soir, on a plusieurs délibérations qui concernent justement les mobilités
voie verte ou piste cyclable. Dans ton introduction, tu évoquais qu'on prévoit d'aider participer à la création des pistes cyclables. Mmh. Et après, on nous présente une voie verte. Une voie verte, ce n'est pas une piste cyclable. Une voie verte, c'est tout sauf pour les vélos. Une voie verte, c'est un trottoir qu'on peint en vert, où dessus on met des vélos, des piétons, des poussettes, des trottinettes, des gosses qui jouent avec un ballon, des gens qui discutent, etc. Alors à 6h du matin, c'est pratique pour les gens qui veulent aller au boulot et qui utilisent ça. Après, c'est compliqué, et les gens ne prennent plus les voies vertes quand ils sont en vélo, ils prennent la route. Voilà. Alors je ne sais pas si notre projet dit qu'on veut subventionner les voies vertes. Bernard, tu évoquais les pistes cyclables. Alors après, que chacun dans sa commune fasse ce qu'il pense, il n'y a pas de problème. Mais que nous, on vienne voter des subventions ou des participations, il faut être précis. Et moi, je voterai contre. Tout ce qui est voie verte, c'est une catastrophe. Je vous raconterai un petit peu ma vie. Je vais le faire. Il y a un petit mois, j'étais autour du lac de Charavine, où quasiment aucun vélo ne prend les voies vertes. Je me suis dit, allez, je vais le faire. Je l'ai prise. Je me suis retrouvé sur le bas-côté, dans l'herbe, parce qu'il y avait deux piétons. Je marchais sans faire de mal à personne. J'ai mis une sonnette sur le vélo depuis longtemps. Ça faisait 50 mètres que je sonnais. Je me suis dit, ils vont se pousser. Ils ne sont pas poussés. Voilà. Et il ne faut pas tomber. Là-bas, il y avait de l'herbe. Je n'ai pas tombé, mais j'ai mis pied à terre. Il ne faut pas tomber de bien haut pour se faire mal, pour se casser la clavicule, le col du fémur. C'est encore une histoire personnelle, ça. Donc, les voies vertes, moi, je suis absolument contre. On explique que c'est une mobilité. Non, ce n'est pas des mobilités. C'est des endroits de danger pour les cyclistes. Pour les piétons, si on tombe sur un cycliste qui est jeune, qui est adolescent, qui se dit « allez hop, je passe, je fonce », c'est effectivement pas lui qui va se faire mal, c'est lui qui est le plus agile. C'est sans doute un piéton qui va en souffrir. Et je crois qu'il y a plusieurs projets ce soir qui concernent ce genre de déplacement. Donc, mon point de vue, il ira pour les trois. Alors, oui, il y a plusieurs projets, il y en a deux pour être précis. Voie verte, piste cyclable, l'abus de langage veut qu'on appelle ça piste cyclable, retenons itinéraire cyclable. Techniquement, sur le schéma directeur, il y a plusieurs types d'aménagements qui sont préconisés et les voies vertes en font partie. Voilà. Ensuite, le choix de faire une piste cyclable, une bande cyclable, etc., ou une voie verte appartient à la commune. Les communes sont souveraines sur leur territoire. Et pour autant que ça s'inscrit dans le schéma directeur en termes d'itinéraire, les règles de l'appel à projet s'applique. Je pense qu'il faut effectivement qu'on soit attentif aux enjeux de sécurité, mais sur ces structures-là, comme sur les autres. Une voie verte, par définition, c'est ouvert au vélo. Y a-t-il d'autres commentaires ? Benjamin Gastaldello, c'est pour m'excuser de mon retard, simplement, non. J'arrive à ce moment de la délibération. Il y a plusieurs façons d'appeler les choses. On se rend bien compte que finalement, les cyclistes qui veulent aujourd'hui se déplacer, pour les plus courageuses des places, pour les autres, il y a quand même de la contrainte avec les véhicules. On a fait le choix, nous, de pouvoir, dès qu'on travaillait sur une route, de récupérer de la voirie, de faire de l'acquisition foncière, tant qu'on le pouvait, pour justement être incitatif et pouvoir mettre d'un côté une voie qui va pouvoir servir justement au déplacement doux et notamment au vélo. Donc ensuite, quelquefois, ça dépend comment certains veulent l'appeler ou pas. En effet, ça peut changer un peu la définition. Quoi qu'il en soit, c'est pour marquer la volonté d'aller vers ce type de déplacement. Dès qu'on le peut, on vient mettre en place ce type de mobilité. Et à ce titre-là, la collectivité des Abrets remercie la communauté de communes de prendre ça également en compte et de venir nous aider dans ce projet qui a vocation à faire en sorte que les personnes puissent se déplacer domicile-travail de façon plus sécurisée, notamment sur cet axe zone-centre-ville, zone économique, qui a à peu près 700 emplois jusqu'au centre-ville. Voilà. Merci. D'autres interventions ? Non. Donc, il s'agit d'approuver la convention d'attribution de subventions de la commune des Abrets en Dauphiné et la communauté de communes pour la réalisation d'aménagements vélo et de dire que les crédits sont prévus au chapitre 20. Y a-t-il des oppositions ? Une opposition ? Y a-t-il des abstentions ?
Non. Donc la délibération est adoptée. Projet de délibération 1.4, donc convention d'attribution de subvention à la commune de Saint-Clair-de-la-Tour dans le cadre de l'appel à projet mobilité. Et c'est Gilles Brodier qui nous présente cette délibération. Donc une délibération assez similaire à celle que nous avons vue précédemment, puisqu'il s'agit d'un itinéraire cyclable reliant la commune de Saint-Clair-de-la-Tour avec pour ambition d'aller à terme, donc ça c'est du centre de Saint-Clair-de-la-Tour jusqu'à la sortie de la Corderie. Donc la partie concernée par la commune de Saint-Clair-de-la-Tour, c'est jusqu'à l'entrée de la zone de la Corderie. Donc cet itinéraire-là, qui est en voie verte, fait à peu près 700 mètres de long. Il est le long de la RD 15-16. Le montant des travaux est beaucoup plus conséquent. Il est de 296 760 euros. Le plan de financement reste encore à affiner, puisque, sauf si la situation a évolué, mais M. le maire me le fera savoir, il y avait une attente de subvention de la DETR, donc, qui n'était pas encore acquise à l'heure où ce projet de délibération a été rédigé. Donc si la DETR est acquise, le reste à charge pour la commune des Vals du Dauphiné serait de 9 028 euros, je vais y arriver. Et si cette DETR n'est pas acquise, alors la subvention de la communauté de communes s'élèvera à 68 380 euros. Donc je le redis, la subvention maximale de la communauté de communes sera de 68 380 euros, ce qui représente 23% du montant de l'ensemble de ces travaux. Y a-t-il des observations ? Oui. Oui. Quelques compléments d'information aussi. On parle donc d'un aménagement qui est en plein dans le centre-ville. La RD 1516, c'est 8000 véhicules jour qui passent dessus. Et c'est un aménagement d'une route sans trottoir qui amène au centre du village. Donc notre objectif, c'est de sécuriser la circulation des piétons, des vélos, des poussettes, des chevaux quand le maire de Chimina viendra nous voir à cheval. Voilà. Mais voilà, ça répond aux usages urbains des modes doux dont on a besoin. Voilà. D'autres interventions ? Non ? Donc, il s'agit d'approuver la convention d'attribution de subvention entre la commune de Saint-Clair-de-la-Tour et la communauté de communes pour la réalisation d'aménagements vélo et de dire que les crédits sont bien prévus au chapitre 20. Et je rappelle que c'est un montant maximum qui est proposé dans la délibération. Y a-t-il, pour la communauté de communes, y a-t-il des oppositions ? Une opposition ? Y a-t-il des abstentions ? Eh bien, la délibération est adoptée. Donc, délibération 1.6, donc autour du sujet de l'environnement, il s'agit de la validation du plan de gestion de l'espace naturel sensible de l'étang de Malserou pour la période 2024-2033. Et en l'absence de la vice-présidente Marie-Christine Frachon, la parole est donnée à Daniel Witt. Bonsoir, rebonsoir. Marie-Christine nous rappelle que notre communauté de communes gère un espace naturel sensible qui s'intitule Étang de Malserou et qui est situé et sur la commune des Abrants Dauphinés et sur la commune de la Bâtie Montgascon. Pour la zone d'intervention, c'est un site de 12 hectares, labellisé en 2005 par le Conseil départemental avec des plans de gestion successifs. 2009-2014 pour le premier, 2018-2022 pour le troisième. Et là, nous vous proposons un engagement sur 2024-2033. Le conseil scientifique du département a validé le diagnostic ainsi que les propositions. Tout cela est joint en annexe. Le coût de l'ensemble des actions pour la période 2024-2033 s'élève à 137 000 euros, 85 300 pour l'investissement, 51 700 pour le fonctionnement. Et pour mettre en œuvre toutes ces actions, nous bénéficions d'un subventionnement de 80% environ par le conseil départemental.
Il vous est donc proposé d'approuver ce plan de gestion pour l'espace naturel sensible Malserou. Y a-t-il des remarques ou des questions ? Non, non, président. Eh bien, écoutez, je vous propose de valider le plan de gestion de l'espace naturel sensible de Malserou pour la période 2024-2033 et le budget associé. Y a-t-il des oppositions ? Des abstentions ? Eh bien, la délibération est adoptée à l'unanimité. Toujours sur la thématique de l'environnement, délibération 1.7 qui concerne l'adhésion à Fredon Auvergne-Rhône-Alpes et la participation pour l'année 2024. Et donc, Daniel Witt va nous présenter cette délibération. Notre collègue Marie-Christine nous rappelle que Fredon est un réseau d'experts au service de la santé du végétal, de l'environnement et des êtres humains. Forte de son expertise, Fredon conseille les collectivités dans la mise en place des bonnes pratiques environnementales. Ce réseau accompagne les dynamiques territoriales dans la prise en compte de la gestion de certaines espèces nuisibles à la santé et notamment la lutte contre l'ambroisie. Il est proposé d'adhérer à cette structure. Le montant pour 2024 sera de 1 000 euros. Y a-t-il des questions ou des remarques ? Non, président. Eh bien, il s'agit de valider le plan de gestion. Pardon, excusez-moi. Il s'agit d'approuver l'adhésion à la Fredon, renouvelable par tacite reconduction, et de valider l'adhésion pour un montant de 1 000 euros pour l'année 2024. Y a-t-il des oppositions ? Des abstentions ? Cette délibération est adoptée à l'unanimité. Délibération 1.8 et qui concerne la subvention au centre de sauvegarde de la faune sauvage, le Ticodrome, pour l'année 2024. Et la parole est à Daniel Witt. Marie-Christine nous rappelle la demande du centre de sauvegarde de la faune sauvage, le Ticodrome, association qui est basée sur la commune du Gard, dans le Sud-Isère. C'est le seul centre de soins de ce type, et en 2023, uniquement pour le territoire des Vals du Dauphiné, il y a eu 139 appels au Ticodrome et 64 remises d'animaux. Il est donc proposé de renouveler notre participation. Sur la base d'un centime par habitant, nous avons 65 000 habitants. Il est proposé de verser 650 euros pour l'année 2024 au Ticodrome. Y a-t-il des remarques ou des questions ? Non, président. Eh bien, je vous propose d'approuver cette délibération, sachant que les crédits sont bien prévus au compte 65-748. Y a-t-il des oppositions ? Des abstentions ? La délibération est adoptée à l'unanimité. Délibération 1.9. qui concerne la convention relative à la vente d'eau en gros par le syndicat des eaux de la plaine et des collines du Catelan pour l'alimentation de ces cieux, chemin de la Salette. Alors, je ne vais pas vous refaire le coup à chaque fois de vous dire quel est le lien avec le projet de territoire, mais c'était déjà le cas. On retrouvait les axes stratégiques du projet de territoire dans les délibérations qui ont été présentées autour de la thématique de l'environnement. C'est la même chose sur ce sujet qui est un sujet particulièrement important, hein, le sujet de l'eau. Et on a notamment trois axes qui sont définis dans le projet de territoire. Le premier, garantir la qualité de l'eau en préservant les zones de captage. Le deuxième, prévenir la rareté de la ressource en eau par la maintenance du réseau de distribution. Et le troisième, renforcer la cohérence de la gouvernance et du fonctionnement de la compétence eau et assainissement. Et donc, on est parfaitement dans ces différentes thématiques. Donc, encore une fois, dans les orientations qu'on a souhaité mettre en œuvre pour notre territoire. Et donc la parole est donnée à Frédéric Lelong pour nous présenter cette délibération. Merci, Monsieur le Président. Donc la convention décrit la vente en gros d'eau potable par le CEPEC à la communauté de communes pour l'alimentation sur ces cieux de 4 chemins de la Salette, de 4 habitations. C'est une régularisation puisque la connexion est faite depuis 2020. Donc le CEPEC s'engage à livrer jusqu'à 1000 m3 d'eau par an avec des limites spécifiques sur les volumes mensuels, hebdomadaires et journaliers. Le prix comprend les charges de production, la participation à la redevance pour prélèvement sur la ressource en eau et la TVA
avec des tarifs révisés annuellement. Ce sont des tarifs que l'on a de manière assez régulière et qui sont analogues à ceux que l'on négocie pour la tour du pain. Aussi, la portée de, le contrat est conclu pour une période de 5 ans avec tacite reconduction. Est-ce que ce projet de délibération appelle des commentaires ou des questions ? Non. Donc, il s'agit d'approuver la convention d'achat d'eau potable entre le CEPEC et la communauté de communes pour le secteur de Cessieux, chemin de la Salette. Y a-t-il des oppositions ? Des abstentions ? La délibération est adoptée à l'unanimité. Délibération 1.10 qui concerne la cession d'une parcelle assise sur la commune de Chélieu à la commune de Chélieu. La parole est redonnée à Frédéric Lelong, vice-président. Donc effectivement, la portée de la délibération, c'est la cession d'une parcelle D674 sur la commune de Chélieu à la demande de la commune. Donc sachez que cette parcelle hébergeait une ancienne station d'épuration qui a été démolie pour ensuite faire l'objet d'une nouvelle station d'épuration sur un autre emplacement. La parcelle est évaluée à 1 000 euros par les domaines. Cette parcelle est entretenue depuis 2018 par la commune et ne présente aucun intérêt pour la communauté de communes. Aussi, en accord avec la commission, il a été agréé de donner pour une valeur symbolique, même à titre gratuit, la parcelle à la commune de Chélieu qui s'engage à l'entretenir. Est-ce que cette délibération appelle des commentaires ? Gratuit. Non, c'est gratuit. Tu veux payer ? Tu veux payer ? Non. Ben, c'est pour ça. Et c'est pour les services que nous avez rendus depuis 2018. Vous l'entretenez, donc on a estimé que voilà, il n'y avait pas de... C'est ça la justification. Et je me suis rendu sur la commune de Chélieu. Et on est allé voir cette parcelle ensemble avec Max Gauthier. Et je confirme qu'elle ne présente pas d'intérêt pour notre communauté de communes. Il s'agit d'approuver donc la cession de la parcelle sur la commune de Chélieu à la commune de Chélieu à titre gratuit. Y a-t-il des oppositions, des abstentions ? Eh bien, te voilà propriétaire, Max. Merci. Donc, délibération 1.11 et qui concerne l'acquisition foncière sur le captage de Doissin-Rettebert. La parole est à Frédéric Lelong. Donc, cette délibération s'inscrit effectivement dans le plan des Vals du Dauphiné, en ce sens qu'il s'agit d'une acquisition foncière pour protéger un captage cité comme étant prioritaire, qui est le captage de Doissin-Rettebert. Je rappelle que de restaurer la qualité des eaux brutes des captages à l'échelle de leur aire d'alimentation, telle que préconisait l'article L211-3 du Code de l'environnement, est une priorité nationale pour assurer une eau potable de qualité et limiter au maximum le recours au traitement avant distribution de l'eau. Un ensemble de captages prioritaires a été établi dans chaque département, je crois au nombre de 269, et ce captage en fait partie. Nous sommes maîtres d'ouvrage et gestionnaires du captage prioritaire de Rettebert, situé à Doissin, et du captage prioritaire de Laïa, Fresne, Baril, Vitose, situé à Val-de-Virieux. Aussi, la portée de la délibération consiste à acquérir deux parcelles pour une surface totale de 1 hectare, 18 hectares et 40 centiaires. Le tout étant évalué à 3 000 euros, plus les frais d'intervention de la SAFER de 780 euros, plus les frais notariés évalués à 600 euros, soit le total de l'acquisition de 4 380 euros. Avez-vous des observations ? Non, donc il s'agit d'approuver l'acquisition de ces parcelles pour un montant total de 4 380, en précisant que les crédits sont bien prévus au chapitre 21. Y a-t-il des oppositions, des abstentions ? Cette délibération est adoptée à l'unanimité. Merci. Délibération 2.1. On change de sujet et on rentre sur le sujet des ressources. Il s'agit de la modification numéro 2 des représentants de la communauté de communes au sein du SAGAV, et je rappelle que le SAGAV, c'est le syndicat d'aménagement de la gestion des aires des gens du voyage en Orisère. La parole est donnée à Daniel Witt. Eh bien, il convient de prendre en compte les élections municipales partielles complémentaires de la commune de Saint-Victor-de-Cessieux pour désigner un délégué suppléant au sein du SAGAV en remplacement de notre ancien collègue Jean-Pierre Lovet, qui n'est plus élu au sein de la commune. Il vous est d'abord proposé de ne
pas procéder au vote à bulletin secret et ensuite de remplacer Jean-Pierre Levet par Maxime Durand. Y a-t-il des remarques ou des questions ? Président ? Bon, j'imagine qu'il n'y a pas d'autres candidats. Et que vous êtes d'accord pour ne pas procéder à un vote à bulletin secret. Donc, qui est contre la nomination de Maxime Durand ? Qui s'abstient ? Eh bien, félicitations, Maxime. Élection à l'unanimité. Délibération 2.2. Pardon ? La collectivité. Le SAGAB remercie la communauté de communes des Vals du Dauphiné d'avoir fait une avance de trésorerie parce que le SAGAB est dans une situation très difficile et la communauté de communes a joué le jeu des Vals du Dauphiné. Donc, ouais, le SAGAB vous remercie pour l'avance. J'avais effectivement reçu une sollicitation du président Ferrari. On a regardé ça avec. Notre vice-président aux finances et les services en charge de la partie finance, on a vu qu'on pouvait le faire. Et donc, quand on peut accompagner nos partenaires, on le fait. Voilà, donc c'est pour ça qu'on l'a validé. Projet de délibération 2.2 qui concerne la modification numéro 5 des représentants de la communauté de communes au sein du CICLOM. Et la parole est redonnée à Daniel Witt. Il s'agit de prendre en compte les élections municipales partielles complémentaires dans la commune de Saint-Victor-de-Cessieux et la démission de M. Jacques Fabre, délégué titulaire. Il convient de désigner deux délégués titulaires en remplacement de Jean-Pierre Levet et de Jacques Fabre et un délégué suppléant en remplacement de Maude Pitot qui n'est également plus élu à Saint-Victor-de-Cessieux. Il est proposé bien sûr de ne pas procéder au vote à bulletin secret, et il est proposé de remplacer Marie-Pierre Cutivet de Saint-Jean-de-Soudun. Il est de désigner titulaire Marie-Pierre Cutivet, Saint-Jean-de-Soudun, à la place de Jacques Fabre, de désigner Maxime Durand, titulaire, à la place de Jean-Pierre Levet, et pour la suppléance, de désigner Bernard Évrard à la place de Maude Pitot. Pas de remarques, Président ? Eh bien, je vous propose de nouveau de ne pas procéder à un vote à bulletin secret. Y a-t-il des oppositions, des abstentions ? Eh bien, félicitations à nos nouveaux délégués. Cette délibération et cette nomination est adoptée à l'unanimité. J'en profite pour vous dire qu'on poursuit le travail de renforcement de la collaboration avec le CICLOM. Il y a notamment, si vous vous souvenez, on l'a évoqué lors du dernier conseil communautaire, la mise en place d'une démarche autour de l'organisation de nos déchetteries sur le territoire. Il y a déjà eu deux copiles, je crois. Il y a eu deux ateliers de travail. Le deuxième avait lieu hier après-midi. J'ai trois ateliers. Donc, le troisième a eu lieu hier après-midi. J'ai participé à cet atelier. J'ai pu noter qu'il y avait une forte représentation de nos représentants des Vals du Dauphiné. Donc, je voudrais leur remercier de leur implication dans ce travail important. On passe à la délibération 2.3 qui concerne la protection sociale complémentaire prévoyance et le mandat au centre de gestion de l'Isère. Et la parole est à Daniel Witt. L'ensemble des communes de notre territoire et les établissements publics de coopération intercommunale ont été informés par le centre de gestion de l'évolution des obligations pour les employeurs en matière de risque prévoyance à partir du 1er janvier 2025. Ce qui amène le centre de gestion à se proposer pour organiser une consultation auprès de partenaires, une mise en concurrence pour avoir des propositions de couverture. Il nous est demandé aujourd'hui de mandater le centre de gestion pour ce faire, ce qui n'aura aucune incidence sur le choix futur, puisque une fois que la procédure sera bouclée par le centre de gestion, l'ensemble des collectivités auront les conditions pour adhérer ou pas et se positionneront favorablement ou pas
pour adhérer. Donc, il nous est donc proposé de nous joindre à la convention de participation dans le domaine de la prévoyance que le centre de gestion prévoit de conclure, l'objectif étant d'être prêt pour la couverture à partir du 1er janvier 2025. Y a-t-il des remarques ou des questions ? Non, président. Eh bien, effectivement, il me semble largement plus facile et plus simple de se joindre à cette procédure. Je pense que vous avez délibéré également dans vos communes, donc c'est un sujet que vous avez en tête. Y a-t-il des oppositions à l'adoption de cette délibération ? Des abstentions ? Eh bien, elle est adoptée à l'unanimité. Des projets de délibération 2.4 qui concernent les créations de postes pour mars 2024. La parole est à Daniel Witt. Alors, avant de présenter la délibération, je vous donne, comme je le fais de temps à autre, des informations concernant les recrutements des Vals du Dauphiné. Alors, les recrutements, c'est comme le mercato, tant que ça n'est pas signé, il faut être prudent. Donc, je vais vous donner les informations officielles et je serai prudent sur ce qui est en cours de discussion. Mardi prochain, nous serons le 2 avril et nous accueillerons notre nouvelle responsable du service qui va regrouper la voirie et l'aménagement des zones d'activité. Je rappelle que les deux responsables partent en retraite et le jury, unanime et enthousiaste, a retenu une dame expérimentée, ingénieure, qui habite un territoire voisin. Le même jour arrivera également notre jeune chargé de mission vélotourisme. Même démarche du jury, vote unanime et enthousiaste. Et c'est un collaborateur qui habite lui aussi un territoire voisin. Idem pour l'arrivée prochaine au sein de l'équipe EMIE, en remplacement de celui qui est devenu le chef de l'équipe. Il a libéré un poste et donc nous recrutons un salarié, également unanimité du jury et qui réside sur un territoire voisin. Dans moins de 3 mois arrivera le DGA en charge de la toute nouvelle direction technique. Unanimité du jury, enthousiasme aussi, c'est un ingénieur expérimenté qui habite à 30 minutes de notre territoire, enfin 30 minutes de la Tour du Pin. Et qui nous vient d'un territoire voisin ou presque. Et qui vient d'un territoire voisin ou presque. Voilà. Et alors il vient dans moins de 3 mois parce qu'il a un préavis de 3 mois. Ensuite, accord trouvé pour le poste SMOP, la maîtrise d'ouvrage, sauf imprévu. Il ne devrait pas y en avoir. Nous avons trouvé un ingénieur expérimenté, complètement dans le profil recherché, et qui habite déjà les Vals du Dauphiné. Nous avons 2 recrutements en cours après tenue du jury de recrutement, donc on en est au stade des discussions, à la fois pour le poste de chargé de mission, mutualisation, modernisation et projet de territoire, et le poste de chargé de mission programme alimentaire territorial. Je veux aussi souligner que nous avons réalisé un certain nombre de recrutements internes. Et c'est toujours une satisfaction pour moi de voir que des personnes salariées chez nous souhaitent rester dans la collectivité et le peuvent tout en changeant de poste. Alors nous avons notamment un jeu de chaises musicales dans les crèches, avec un départ en retraite, et la personne a été remplacée par une salariée, mais qui était jusque-là en CDD, qui a voulu se positionner sur un poste plus pérenne. Cette personne ayant libéré son propre poste, c'est une personne remplaçante chez nous qui a postulé. Et enfin, toujours au niveau des crèches, nous avons créé... Pour éviter d'avoir une multitude de remplacements non planifiés, nous avons créé un poste de remplacement durable à 80% sur les 2 crèches. Et là aussi, c'est une candidature interne d'une personne qui fait des remplacements ponctuels qui a été retenue. Même satisfaction au recrutement interne au niveau du poste SPANC, SPANC, assainissement individuel et rejet d'assainissement collectif,
Nous avons une personne qui était jusque-là fontainier, fontainier diplômé, qui avait été responsable SPANC, qui habite les Vals du Dauphiné et qui n'a pas laissé passer l'opportunité. Bon, le point gris, c'est que nous aurons à remplacer ce fontainier, mais nous avons quelqu'un qui a de grandes qualités pour prendre le poste SPANC et rejet d'assainissement collectif. Et enfin, dans le service tourisme, nous avons une personne qui a réussi un concours pour devenir catégorie B et que l'on a félicité. Et nous avons profité de cette opportunité pour modifier le poste qu'elle occupait, le conforter avec notamment la prise en charge de la taxe de séjour. Et nous avons rencontré avec la chef de service et notre DRH hier cette personne. Et elle est extrêmement satisfaite de rester dans la collectivité et de valoriser le concours qu'elle a obtenu. Je n'évoque pas les personnes recrutées ou à recruter pour des remplacements courts. Il y en a un certain nombre. Et un jury se tient chaque fois parce qu'il n'y a pas de petits recrutements. Enfin, je rappelle les recrutements lancés à ce jour avec des jurys, certains convoqués demain. Un poste pour l'entretien des bâtiments avec plutôt un profil plombier ou éventuellement électricien, mais c'est plus difficile de trouver un électricien qu'un plombier. Nous allons aussi faire le jury comme chaque année pour les renforts tourisme, avec 3 postes cet été, comme chaque année. Suite à un départ d'une collaboratrice qui souhaitait entamer une carrière de secrétaire de mairie, eh bien, nous avons un recrutement pour la remplacer sur le poste de chargée d'accueil. Nous avons 2 postes pour les fontainiers, un qui était nouvellement créé et l'autre pour remplacer la personne qui devient responsable SPANC. Nous avons aussi toujours un poste de musicien intervenant à mi-temps, un poste de responsable de la médiathèque La Traversée, j'en dirai 2 mots dans la délibération tout à l'heure, pour prendre en compte un arrêt durable, le poste maîtrise d'ouvrage service eau potable, qui est le seul poste dans la réorganisation pour l'eau qui n'est pas pourvu, jury demain matin, le poste de contrôleur de gestion, le poste de chargé d'aménagement opérationnel zone d'activité. J'évoquais la dame qui nous rejoint le 2 avril et qui prend en compte les 2 départs en retraite. Elle va être responsable du service, mais elle devra s'appuyer sur le chargé d'aménagement opérationnel. Là aussi, le jury est programmé. Enfin, comme chaque année depuis 2 ans, nous avons un poste d'auxiliaire de puériculture en alternance pour former des jeunes. Une année, c'est pour les pieds dans l'herbe. Une année, c'est pour la tour du pin. Et donc, nous aurons ce recrutement prochainement. Voilà pour ce qui est des informations. La délibération qui vous est proposée, elle est intéressante, à la fois parce qu'il y a quelques postes et il faut expliquer pourquoi nous avons les créations. Et puis, pour la première fois, nous supprimons en même temps, puisque nous avons eu un conseil social de territoire et que nous avons choisi maintenant de présider, de présenter chaque fois pour éviter la litanie des suppressions de postes en fin d'année. Pardon, Daniel, peut-être avant de passer à la présentation de la délibération, je crois qu'il y avait une prise de parole. Oui, pas d'opposition. Juste parmi tous ces postes. Max Gauthier, commune de Chélure. Parmi tous ces postes, est-ce qu'il y a des créations de postes, enfin numériquement sur les VDD, ou est-ce que c'est tout des postes qui existaient, ou est-ce qu'il y a des changements d'échelon, des postes qui étaient B, qui deviennent A, ou etc. Alors, je peux répondre. Parce qu'au début, tu as évoqué qu'il y avait 2 remplacements, mais après, pour les autres postes, tu t'es pas exprimé, donc je sais pas. Non, ça me paraît intéressant de commencer ça. Je peux donner un éclairage un peu global et Daniel complétera. À quoi correspondent tous ces éléments? Il y a bien entendu les remplacements de postes, mais il y a aussi la volonté qui a été exprimée de dire, pour notre communauté de communes, on veut passer d'une phase où on était plutôt dans la planification à une phase de réalisation. Pour passer à cette phase de réalisation,
on est arrivé au constat que nos structures elles étaient trop justes pour pouvoir porter des projets multiples et ambitieux. Et donc, on est passé par un certain nombre d'étapes préalables. La première, c'est de dire quel est l'organigramme cible qu'on souhaiterait et quels seront les renforcements de ressources dont on a besoin pour porter les projets qui sont dans notre ambition. Je rappelle que les ambitions, elles ont été définies dans le projet de territoire. La deuxième, c'est de définir une trajectoire financière sur l'évolution du chapitre charge du personnel. La troisième, c'est de créer les postes pour pouvoir permettre les recrutements. Et la quatrième, c'est de passer à la phase de recrutement. Chacune de ces étapes a été validée collectivement en conseil communautaire et on est dans la mise en œuvre des orientations qui ont été définies pour faire ce que nous avons décidé de faire ensemble, c'est-à-dire donner les pleines capacités à notre communauté de communes pour porter les projets que nous avons décidés ensemble. Donc il y a bien des créations de postes qui s'inscrivent dans une logique qu'on a décidée collectivement pour aller vers la transformation qu'on a souhaitée tous ensemble. Donc voilà un peu le contexte général. Je ne sais pas s'il y a des compléments d'information que tu souhaites donner, Daniel. Je vais à 100% dans ton sens. Je rappelle qu'il avait été dit que nous avions 6 postes à créer dans le cadre de notre réorganisation Nouvel Élan. Le poste de DGA Service Technique, la direction que nous créons, le poste de mutualisation et mise en œuvre du projet de territoire, le poste de contrôle de gestion, là c'était les 3 premiers, et puis pour marquer nos engagements, sur un certain nombre de thématiques, nous avions 3 autres postes. Le poste PAT, le programme alimentaire territorial, le poste vélo-tourisme et puis le poste SMOP pour la mise en œuvre du service bâtiment en interne et SMOP avec un certain nombre de collectivités où nous sommes en accompagnement. Voilà, donc là, nous restons sur les 6 postes qui ont été annoncés. Et pour les autres, eh bien, ce sont des remplacements ou des adaptations. Donc, j'en profite peut-être pour souligner le travail important qui est fait au niveau du recrutement. Je participe à quelques-uns des recrutements en fonction des postes. Je peux vous dire que ça prend beaucoup de temps. Merci aux équipes ressources humaines. Merci aussi à Daniel du temps passé sur l'ensemble des processus de recrutement qui sont faits de manière très rigoureuse. Et puis, je ferai un commentaire peut-être un peu plus personnel sur le fait que je pense... Alors, il y a certains recrutements qui sont plus compliqués que d'autres. Il y a des profils de poste qui sont compliqués à trouver. Mais quand même, d'une manière générale... Je pense qu'on a retrouvé une certaine forme d'attractivité. En tout cas, c'est ce que les candidats nous disent quand ils postulent. Et dans leur motivation, c'est la dynamique de la collectivité, l'intérêt du projet, qui est un des éléments de la motivation pour postuler. Donc on voit des candidats qui ne postulaient pas forcément dans le passé. Et je pense que c'est plutôt bien, ce qui nous permet d'apporter certainement des profils qui vont nous aider à atteindre les objectifs qu'on s'est fixés ensemble. Et je redonne la parole à Daniel pour la présentation de la délibération. Voilà. Alors, je m'associe à tes propos, Bernard, pour la très grande satisfaction. Nous avons une DRH avec qui, moi, je travaille remarquablement bien. Une collaboratrice, Marine, pour les recrutements, qui fait un travail très, très pro. Et puis, tout le service ressources humaines, parce que parfois, il faut être extrêmement réactif, notamment quand il y a des remplacements. Et c'est un vrai plaisir, parce que les résultats sont là. Alors, la première création, c'est remplacement d'un agent. Nous avions au sein de l'équipe EMIE un responsable qui est parti en retraite fin décembre et nous l'avons remplacé par une promotion interne, par une personne qui était déjà dans l'équipe EMIE et qui a de belles capacités professionnelle et également humaine. Donc il a été plébiscité par ses collègues pour être responsable. Et quand nous avons acté sa prise de fonction, il a été extrêmement félicité par ses collègues. Comme il est devenu
responsable de l'équipe EMIE, il fallait recruter une personne pour le remplacer. Et donc, cette personne n'a pas le même grade ou le même profil que le précédent. Et donc, il nous faut créer le poste. J'ai annoncé tout à l'heure qu'il arriverait tout prochainement et qu'il est sur un territoire voisin avec une belle expérience, très bon recrutement. Ça, c'est le premier poste. Ensuite, à la traversée de Mont-de-Beauvoisin, nous avons deux choses. Nous avons une personne qui continue sa carrière et qui va s'en aller. Et nous avons la responsable qui, pour une durée non négligeable, est en arrêt de travail. Et donc, il a été proposé de recruter quelqu'un en catégorie B à la place de la personne qui était en C pour organiser cette transition et faire en sorte que, s'appuyant sur les responsables du réseau, elle puisse aussi tenir l'ensemble de l'équipe et être un point d'appui important. Là aussi, le recrutement, le jury est pour très très bientôt. Donc nous créons un poste de catégorie B et le poste de catégorie C sera supprimé des tableaux dès que le recrutement aura abouti. Mais c'est aussi dans la perspective de s'organiser par rapport à la directrice qui est en arrêt. Troisièmement, là, nous avons un dossier un peu différent dont nous a parlé et nous reparlera Jean-Paul. Il s'agit de confirmer notre adhésion à la démarche dite territoire d'industrie, de passer à la phase 2 en partenariat avec les communautés de communes des Balcons et de Bièvre-Est. Et les Vals du Dauphiné seront chefs de file sur cette deuxième phase afin de concrétiser des actions suivant quatre axes prioritaires: attirer, innover, recruter, simplifier. Cette phase prendra fin en 2027. Comme nous sommes chefs de file, nous avons à recruter la personne. L'État apporte un soutien par l'octroi d'un financement au poste de chef de projet au titre du Fonds national d'aménagement et de développement du territoire à hauteur de 80 000 euros sur 2 ans. Et donc, nous devons créer un poste de chargé de projet territoire d'industrie Nord-Isère pour un contrat de projet de 3 ans. Ensuite, nous avons, je l'évoquais tout à l'heure, au sein du service tourisme, une collaboratrice ancienne sur le service qui a réussi le concours de rédacteur territorial. Et les missions de son poste ont évolué. Elles correspondent à ce cadre d'emploi. Nous avons vérifié hier en entretien que c'était l'enthousiasme pour cette nomination. Et donc, pour pouvoir concrétiser sa nomination, il convient de créer un poste de rédacteur territorial principal deuxième classe. Et dans le même temps, nous vous proposons de supprimer, puisqu'on l'a passé en CST, le poste qu'elle occupait jusqu'à présent, qu'elle occupe encore jusqu'à présent, d'adjoint administratif principal deuxième classe, donc catégorie C. Enfin, à la suite d'un départ en retraite d'un agent de première classe à 80% à la crèche de la Tour du Pin, je l'évoquais aussi tout à l'heure, nous avons lancé une opération de recrutement. La personne en interne qui a été retenue et faisait déjà partie des effectifs en tant que contractuel. Et donc, pour mettre à jour les tableaux des emplois, il faut supprimer ce poste d'agent social principal de première classe non complet à 80%. Voilà, il vous est donc proposé de créer un poste pour le MIE, de créer un poste pour la traversée, de créer un poste pour territoire d'industrie, de créer un poste pour la prise en compte de la réussite au concours de notre collaboratrice tourisme et de supprimer le poste d'adjoint administratif et le poste d'adjoint social principal de première classe. Voilà un toilettage qui est plus concret que d'habitude, et c'est bien de pouvoir faire chaque fois un passage en CST. Ça nous évitera de revenir sur des postes très anciens dont on ne se souvient plus. Y a-t-il des remarques ou des questions ? Président.
Eh bien, je vous propose d'approuver la création et la suppression des postes tels que ça a été présenté, en rappelant que les crédits sont prévus au chapitre 012. Y a-t-il des oppositions ? Des abstentions ? La délibération est adoptée à l'unanimité. On va passer maintenant au chapitre des finances. Et donc j'annonce la première délibération, mais peut-être que tu vas procéder différemment, Laurent. Donc la première délibération, c'est la 2.5, qui concerne la présentation du compte de gestion 2023 pour notre budget général. La parole est à Laurent Michel. Oui, merci et bonsoir à tous. Oui, ce que je vous propose, c'est effectivement, avant de passer aux délibérations, c'est de balayer effectivement les différents budgets administratifs de l'année 2023, puisque pour le vote des comptes de gestion, on s'appuie effectivement sur les comptes faits par la DGFiP et bien sûr en relation avec nos services internes qui pour les comptes administratifs. Donc comme c'est les mêmes chiffres, on ne va pas les répéter effectivement. Donc je vous propose de passer à la présentation qui devrait s'afficher des différents comptes administratifs que je vais vous... Je vais sortir peut-être moi, de la salle. Non. Non, c'est le compte de gestion. Compte de gestion, d'abord. Ah, d'accord. C'est le compte administratif. Non, mais tu as annoncé le compte administratif. Donc, je présente les comptes administratifs, puisque les chiffres sont identiques aux comptes de gestion, pour éviter de présenter deux fois les mêmes chiffres. Et je ferai en même temps la présentation donc, de l'affectation du résultat, ce qui évitera aussi de revenir sur ces chiffres-là tout à l'heure. Et puis après, effectivement, on passera au vote des différentes délibérations qui concernent donc l'année 2023. Alors, non, au niveau... Je oui. reprends. Tu parles du compte administratif, donc je vais sortir. Pendant la présentation et le vote... C'est au moment du vote. Bon. Ok. C'est trop rigoureux, alors, sur la méthode. Ok. Donc je sortirai au moment du vote. Voilà. Alors l'année prochaine, il n'y aura plus qu'un compte à voter, ça sera beaucoup plus simple, hein, puisque vous savez que les services de l'État ont... Il va falloir modifier une ligne budgétaire pour la réparation de la chaise. Donc je disais que l'année prochaine, effectivement, nous n'aurons plus qu'un compte à voter, hein, puisque les comptes de gestion et les comptes administratifs seront fusionnés. Bon, pour 2023, donc, on a effectivement tous nos différents budgets à valider. Donc au niveau du budget général, ce budget, donc, au niveau des dépenses, a été réalisé à hauteur de 34... Je vais prendre les lunettes, ça sera plus simple. Hein. A été réalisé donc, au niveau de 34 490 777 €. Les recettes de fonctionnement donc, portent sur 39 340 225 €, ce qui fait un résultat d'exécution de l'exercice de 4 849 447, auquel on rajoute la reprise donc, du résultat antérieur de 7 846 475 €, ce qui nous fait un résultat de fonctionnement de 12 695 923 €. Donc c'est pas très loin des chiffres que je vous avais présentés dans le rapport d'orientation budgétaire. On n'avait pas encore les chiffres définitifs, mais on avait déjà une bonne précision. Ils ont été affinés, bien sûr, entre-temps avec les services de la trésorerie. Et donc là, c'est bien les chiffres définitifs qui ont été validés avec eux. Au niveau de l'investissement, donc, le total des dépenses est à hauteur de 7 176 189 euros. Les recettes pour 5 219 969 euros, ce qui nous fait un déficit d'exécution d'1 956 220. On reprend le résultat de l'année précédente de 2 495 375 euros, ce qui nous fait un résultat d'investissement de 539 152 euros. Donc si on reprend ces différents résultats,
donc de fonctionnement à hauteur de 12 699 000. L'affectation, on vous propose donc une affectation en investissement de 1 832 824, ce qui restera en excédent de fonctionnement qui sera reporté sur le budget 2024 de 10 863 099 euros. Voilà pour le budget général donc 2023. Pour le budget annexe, action économique. Les dépenses de fonctionnement sont à hauteur de 333 111 euros. Le total des recettes de 393 217 euros. Ce qui nous fait donc un résultat d'exécution de 60 106 euros. Auquel on rajoute le résultat antérieur d'1 089 739 euros, ce qui nous fait un résultat de fonctionnement d'1 149 845 euros. Au niveau de l'investissement, un total de dépenses de 92 500 euros, un total de recettes de 285 553 euros, ce qui nous fait donc un résultat d'exécution de 193 052 euros. La reprise du résultat précédent de 1 419 459 euros et donc un résultat d'investissement pour 2023 d'1 612 512 euros. Donc, concernant l'affectation du résultat, on reprend le résultat de fonctionnement, 1 149 845. On affecte en investissement 60 311 euros, ce qui nous laisse un excédent de fonctionnement qui sera reporté au budget 2024 d'1 089 534 euros. On passe maintenant donc au budget annexe du service des eaux. En fonctionnement, un total de dépenses de 6 661 065 euros. Un total de recettes de 7 045 509 euros, ce qui nous fait un résultat d'exécution de 384 444 euros. La reprise du résultat antérieur d'1 841 831 euros, ce qui nous donne un résultat de fonctionnement de 2 226 276 euros. En investissement, on a un total de dépenses d'1 119 407 euros. Un total de recettes de 1 547 303 euros. Le résultat d'exécution, 427 895 euros. La reprise du résultat antérieur qui était de 2 854 555 euros, ce qui nous fait un résultat d'investissement pour 2023 de 3 282 450 euros. Donc, au niveau de l'affectation du résultat, on reprend ce résultat de fonctionnement de 2 226 000. On affecte 295 000 euros en investissement, ce qui nous laissera un excédent de fonctionnement reporté sur le budget primitif 2024 d'1 931 276 euros. Le budget annexe du service assainissement. Une dépense de fonctionnement donc de 2 911 321 euros, un total de recettes de 4 068 393 euros, soit un résultat d'exécution de 2 157 072 euros. La reprise du résultat antérieur qui était de 2 494 996 euros, soit un résultat de fonctionnement de 3 652 068 euros. Au niveau de l'investissement, le total des dépenses se monte à 2 468 577 euros. Le total des recettes, quant à lui, est de 2 548 855 euros. Le résultat d'exécution de 80 277 euros. La reprise du résultat antérieur qui était de 4 338 492 euros. Et ce qui nous fait un résultat d'investissement de 4 418 000 770 euros. Donc au niveau de l'affectation du résultat, donc on propose donc de reprendre le résultat de fonctionnement à hauteur de 3 652 068 euros, de prévoir une affectation en investissement de 768 000 euros, ce qui nous laisse un excédent de fonctionnement qu'on reportera sur le budget primitif 2024 de 2 884 068 euros. Je vous fais grâce des centimes.
au niveau du budget annexe du SPANC. Un total de dépenses de 58 924 euros, un total de recettes de 44 337 euros, soit un résultat déficitaire de 14 587 euros, auquel on rajoute le déficit antérieur qui était de 1 165 euros, ce qui fait un résultat de fonctionnement déficitaire de 15 753 euros. Au niveau des dépenses d'investissement, elles sont à zéro et il y a une recette donc par opération d'ordre de 3 852 euros. Le résultat d'exécution est donc de 3 852 euros. La reprise du résultat antérieur de 1 478 euros, ce qui fait un résultat d'investissement de 5 330 euros. Donc, au niveau de l'affectation de résultats, donc c'est la somme de 0 euros, puisqu'on ne dégage pas donc de résultats sur le fonctionnement. Et donc, on aura un déficit reporté sur 2024 de 15 753 euros. Concernant le budget annexe, donc aménagement des zones, donc sur les dépenses de fonctionnement, un total de 13 443 616 euros, 619 euros, pardon. Un total des recettes de 13 443 619 euros, ce qui nous fait un résultat d'exécution égal à zéro. Hein, c'est ce qui est effectivement validé toutes les années, les dépenses équilibrent les recettes. Donc, pas d'affectation de résultat donc, sur cette partie-là, donc un montant de 0 euros. Au niveau de l'investissement, un total des dépenses de 13 403 937 euros, un total de recettes de 13 087 040 euros, soit un résultat déficitaire de 316 897 euros. La reprise du déficit antérieur de 4 164 993 euros et... soit un résultat d'investissement déficitaire de 4 481 890 euros. Dernière information concernant les budgets annexes et le CA administratif 2023 pour la zone d'Islette. Il n'y a pas eu de travaux réalisés cette année sur cette zone-là. Donc on a un budget de réalisation qui est à zéro. Et donc le report du résultat sera de 0 euros. Voilà pour ces comptes administratifs, complétés des affectations de résultats qui vous sont proposés. Est-ce que vous avez des questions ou des remarques ? Il n'y en a pas. Donc s'il n'y a pas de remarques, Président, je vous propose de faire voter. Donc il s'agit de déclarer que les comptes de gestion des 7 budgets qui ont été présentés, je rappelle qu'on a un budget général et 6 budgets annexes, dressé pour l'exercice 2023 par le receveur, visé et certifié conforme par l'ordonnateur, n'appelle ni observation ni réserve de sa part. Qui est contre ? Qui s'abstient ? Et cette délibération est adoptée. Donc ça, c'est pour le compte de gestion. Et maintenant, le compte administratif. Voilà, voilà. Donc, c'est là, Monsieur le Président, au revoir. Je laisse la présidence de la séance à Jean-Paul Bonnetin. Bien, le vote groupé tel que vous l'avez accepté, non, c'est la formule avant vote, ça. Le vote groupé que vous avez accepté pour le compte de gestion, nous allons le pratiquer pour le compte administratif. Cum clave, hein, comme on dirait au Vatican, enfin, faut fermer les portes. On est en conclave, il faut fermer la porte. Merci. En toute laïcité, hein, la citation. Je vais vous proposer donc de délibérer sur l'ensemble des comptes administratifs, tant du budget général que des budgets annexes, sur la même structure que celle qu'a présentée Laurent Michel. Donc je vous propose de donner acte de la présentation faite de ces comptes administratifs.
de constater, là encore, l'identité des écritures entre le compte de gestion et les indications qui sont portées au compte administratif, tant en ce qui concerne le report à nouveau, le résultat d'exploitation d'exercice et le fonds de roulement du bilan d'entrée et du bilan de sortie, mais aussi au débit, au crédit porté à titre budgétaire aux différents comptes et d'arrêter les résultats définis tels qu'ils ont été présentés par le vice-président en charge des finances. La portée de la délibération, c'est donc d'adopter les comptes administratifs tels qu'ils vous ont été présentés, de constater donc la conformité de ces écritures, d'arrêter les résultats tels qu'ils ont été présentés, et puis d'autoriser la signature de l'ensemble des pièces par quiconque sera autorisé à le faire. Y a-t-il des observations ? Donc je vous propose de délibérer. Qui est contre ? Qui s'abstient ? Adopté à l'unanimité. Pas faire abébous papam. On va s'arrêter là. On peut dire à Bernard Badin de rentrer. La fumée blanche. Merci, Monsieur le Président. Le Conseil communautaire, à l'unanimité, a approuvé l'ensemble des comptes administratifs, tant du budget général que des budgets annexes. Bien, je vous remercie de votre confiance. Que je retrouve mes petits. Voilà. On tourne une cinquantaine de pages. Voilà, et donc on saute. On passe à la délibération 2.26. Oui, je ne fais pas d'erreur. Non, il y a l'affectation des résultats d'abord. Pardon. Donc là aussi, il y a un certain nombre de délibérations. Il devait y en avoir 7 exactement, qui correspondent aux 7 budgets. Et qui concerne l'affectation du résultat de fonctionnement 2023. Et donc, Laurent Michel va nous présenter ses délibérations. Je l'ai faite, Président, donc je peux faire voter. Ah, tu l'as fait. D'accord. J'ai fait. Bien. J'ai tout fait en même temps. Bien, qui est... Ah oui, tu l'as présenté dans le compte d'administration, je pensais qu'il fallait le présenter. D'accord. Qui est contre ? Qui s'abstient ? Eh bien, donc, on valide ces propositions d'affectation des résultats pour chacun des budgets. Et donc, on passe cette fois à la délibération 2.26, qui concerne la dotation de solidarité communautaire 2024. La parole est à Laurent Michel. Donc, effectivement, délibération concernant la DSC 2024. Donc je rappelle que la communauté de communes donc, a mis en place par une délibération en 2019 une dotation de solidarité communautaire à destination donc, de ses communes membres DSC qui est complémentaire donc, à une enveloppe de fonds de concours qu'on verra juste après. Concernant cette dotation de solidarité communautaire, hein, je rappelle qu'elle a été votée donc, en 2019 avec une enveloppe socle de 570 000 euros qui permettait donc de pouvoir apporter une garantie à l'ensemble des communes membres hein, d'avoir à minima donc, cette enveloppe qui soit allouée chaque année. Puisque dans le règlement, on avait prévu aussi de l'abonder de la moitié des rôles supplémentaires selon donc, les règles fixées dans les délibérations donc, que j'ai nommées en 2019. Outre un mécanisme de garantie qui était appliqué aussi de façon homogène aux communes pour sécuriser les budgets communaux, donc pour les territoires qui avaient préalablement donc mis en place cette même dotation de solidarité communautaire. Je vous rappelle hein, que les critères qui avaient été définis donc par et validés par le Conseil communautaire étaient la population DGF à hauteur de 30%, le potentiel financier par habitant à hauteur de 30%, le logement social à hauteur de 20%,
la longueur de voirie, donc à hauteur de 10%, et la part de l'attribution de compensation, donc les AC, total dans les ressources de la collectivité à hauteur de 10%. Cette dotation de solidarité communautaire donc, reste malgré tout optionnelle et doit être validée par le Conseil communautaire. Mais les critères de répartition, en l'absence de contrat de ville signé donc, par la communauté de communes, sont modifiés. Je vous rappelle que, alors que la DSC devait jusque-là être répartie en tenant compte proportionnellement, prioritairement pardon, de l'importance des populations ou du potentiel fiscal ou financier par habitant, les DSC doivent dorénavant tenir compte majoritairement donc issus donc, de la loi de finances donc, présentée par l'État, de l'écart de revenus par habitant de la commune par rapport aux revenus moyens par habitant de la collectivité, l'insuffisance de potentiel financier ou fiscal par habitant de la commune par rapport au potentiel financier ou fiscal moyen par habitant donc du territoire. Ces deux critères doivent être pondérés de surcroît par la population communale dans la population totale de la communauté de communes. Donc cette notion de critère majoritaire est précisée. Ces critères doivent justifier au moins 35% du montant total de la DSC, ce qui signifie que les autres critères ne peuvent dépasser le poids de 35% pris individuellement. Il est donc de proposer de retenir et de maintenir donc les critères qui avaient été délibérés en 2019 en intégrant donc les éléments réglementaires, à savoir donc la population pour 25%, l'insuffisance de potentiel financier, donc 30% pondéré par la population, le revenu par habitant de 5% toujours pondéré par la population, la voirie à hauteur de 10%, le logement social à hauteur de 20% et l'attribution de compensation à hauteur de 10%. C'était, je vous rappelle que c'était les critères qui étaient appliqués donc en 2022, en 2023. Donc simplement, on vous demande de les actualiser en fonction des éléments donc, de la DGF 2023 propre à chaque commune, d'appliquer le principe d'une enveloppe socle de 570 000 euros, compléter de la moitié des rôles donc, supplémentaires encaissés entre le 1er janvier 2023 et le 31 décembre 2023, soit 12 173 euros, ce qui représente donc une enveloppe globale d'un montant total de 582 173 euros. Donc ensuite, il est fait application des critères de répartition pour chacune des communes, ce qui détermine donc le montant de DSC 2024 pour chacune des collectivités, et soit un total, encore une fois, de 582 173 euros. Donc je tiens à préciser effectivement, les rôles supplémentaires de 2023 sont pour la première fois très faibles, puisque je vous rappelle que l'année dernière, on avait une enveloppe de DSC qui était de 741 500 euros, due à ces rôles supplémentaires un petit peu exceptionnels. Et donc la DSC qui avait été affectée pour chacune des communes était un peu une année et un montant exceptionnel. Donc en 2024, on revient, si vous voulez, à quelque part, sur ce qui avait été mis en place précédemment, et avec les montants donc, que l'on retrouve de manière d'enveloppe quasi équivalente, puisque en 2022, l'enveloppe globale était de 605 000 euros, donc proche des 582 173 euros. Donc le porté de la décision, c'est de fixer donc, cette DSC à 582 173 euros pour 2024, selon des modalités donc, telles qu'elles ont été définies par nos précédentes délibérations. Décider d'appliquer les critères tels que nous les avions aussi validés donc, sur les deux années précédentes, et du coup d'attribuer le montant par commune qui découle donc, de l'application de ces différents critères. Est-ce que c'est un petit peu technique, un petit peu complexe, mais je pense que c'était important de le repréciser. C'est le PC qui est là. Et donc je reste à votre disposition si vous avez des questions ou des remarques. Ouais.
Benjamin Gastaldello, les Abrets en Dauphiné. Alors en effet, l'année dernière, il y a eu une enveloppe très importante. Hein, ça, toutes les communes ont pu le remarquer, en tout cas celles qui ont pu bénéficier de la hausse. Par rapport à la nouvelle méthode de calcul, évidemment, aucun souci, pas de problème, c'est normal d'appliquer cela. Moi, là où je suis un petit peu étonné, alors bon, je vais parler pour la commune des Abrets, c'est qu'on a... On a bien évidemment une baisse hein, depuis 2020-2021, donc partie de 19 500, 18 250, 16 631, 11 470. Nouvelle clé de répartition, nouveau calcul, on y intègre des nouveaux éléments. Par contre, il y a une énorme partie du territoire, une grosse partie du territoire qui, lui, malgré cette clé de répartition qui est très technique, comme tu viens de le dire, avec des moins 5, plus 5% de par rapport à la voirie, par rapport au logement social, à l'habitat social, par rapport à toutes ces termes techniques que tu viens d'évoquer, une grosse partie ne bouge pas. Alors évidemment, je ne viens pas dire que le calcul a été vu ou en tout cas fait un mauvais escient, loin de là. Mais pourquoi certaines communes sont impactées? Pourquoi d'autres ne le sont pas? Tant mieux pour celles qui ne le sont pas, et je viens pas cracher là dans la soupe. Mais en tout cas, pourquoi soit le nouveau mode de répartition, le nouveau mode de calcul correspond pile poil vraiment à ce que ces communes touchaient. Alors là, c'est quand même magnifique vu la complexité de la répartition. Soit y a quelque chose qui ne va pas dans la répartition et qu'on n'arrive pas à comprendre. Alors, oui, effectivement, j'ai compris la remarque. Donc, c'est ce que j'évoquais donc, en préalable. Hein. C'était effectivement ce qui avait été validé en 2019. C'était l'application d'un mécanisme de garantie qui était appliqué donc, de façon homogène pour les communes issues des territoires qui avaient mis en place une dotation de solidarité communautaire. D'accord ? C'était dans le but de sécuriser les budgets communaux. Donc effectivement, pour cette année où on est effectivement sur une enveloppe qui diminue, du coup, l'effet garanti s'applique à 100% pour ces communes. Donc nous, nos budgets communaux, en fait, on fabrique l'argent, donc on peut y aller Non. La DSC s'applique à tous. Oui, elle s'applique à tous. Alors, bon, ça a été expliqué effectivement en commission finance, hein, d'accord. Et d'ailleurs, la conclusion qui est... parce que du coup, il y a aussi le changement des critères qui a été imposé par l'État dans la loi de finances donc, de 2022. Donc qui fait qu'effectivement, les critères qui avaient été définis ensemble, du coup, quand on applique effectivement ces critères sur un montant d'enveloppe qui baisse, du coup, ça a effectivement une incidence sur les communes qui n'avaient pas ce jeu de garantie. D'accord ? Donc la conclusion que justement, et c'est l'objectif justement de ce constat, on constate bien hein, ensemble que à la fois sur 2023, qui était une année exceptionnelle, et qui a vu ces mêmes communes, leur participation de DSC augmenter, alors que les autres communes, par ce jeu de garantie, ne voyaient pas les autres communes du territoire ne voyaient pas leur DSC augmenter en 2023. Non, d'accord. On a bien sur 2024 l'application, et là où on est sur une enveloppe qui est en baisse, du coup, on voit bien concrètement que l'application des critères et de la formule de calcul qui avait été adoptée en 2019 ne correspond plus à la réalité d'aujourd'hui. Et c'est pour ça qu'on a proposé, donc notamment en commission finances et au niveau du bureau, la révision de cette DSC dans le cadre du pacte fiscal et financier de solidarité. Donc on voit clairement les limites du système aujourd'hui. Ah ben, on voit plus que sérieusement les limites, oui, puisqu'effectivement, alors je ne sais pas comment en 2017 ce pacte de garantie a été expliqué. On est en 2024, on est 36-37 communes, et il y en a 17 ou 18 qui ont un pacte de garantie de 50 000, de 100 000 euros, auquel on ne touche pas, et les autres, ben, vous avez ce qui reste. Alors, tu évoquais ta situation aux Abrets, Benjamin. Je note que tu as perdu quelque chose comme 30% en 3 ans. Ben moi, en un an, je perds 75%. Et allez,
et les autres ne bougent pas. Un pacte de garantie en 2017. Putain, on travaille ensemble, on ne travaille pas ensemble. Je rappelle que... Il faut arrêter, quoi. Alors, s'il faut... Tu parles de revoir ce pacte, de, etc. Ça fait un moment que j'entends qu'on va le revoir. Pour le moment, on n'en parlera pas. En tout cas, en commission, on n'en a pas parlé. Cette année, ça fait des sacs... Oui, on va revoir le pacte. Tu n'étais pas présent en commission. Résultat, aujourd'hui, tu as la moitié des communes qui voient leur dotation baisser considérablement et l'autre moitié des communes qui, elles, vont faire les trois quarts des voix parce qu'il y a beaucoup de grosses communes avec beaucoup de délégués. Donc, ça va passer sans problème. Si ça ne vous gêne pas, voilà, franchement, Bernard, on est solidaire. On a, comment tu appelais tout à l'heure ? Une trajectoire financière, etc. Ah, les mots, ça y va. Mais résultat, on est la moitié des communes à être sabrées. Alors, je vais... J'aimerais qu'il y ait d'autres communes qui... Alors, Nicolas Solier essaie de me joindre. Effectivement, je crois que ça doit prendre la parole. Mais c'est, je veux dire, c'est complètement normal. En 2017, je ne sais pas comment ça a été fait, je ne me souviens plus. On est 7 ans après, ça va durer combien de temps encore où on sépare les communes en deux ? Edith Chambaz, je remplace Nicolas Solier. Donc j'ai regardé aussi, ce qui m'affole un peu, c'est les critères. Parce que quand je dis 25% sur la population, qu'est-ce que c'est ? C'est 68 000 habitants dans les VDD, 25% je représente 2 000 habitants, 25% c'est sur une valeur. Alors même si on est obligé de mettre des critères, il faut mettre des valeurs à côté pour qu'on comprenne quelque chose. Et oui, les critères, je ne peux pas faire le calcul. Si ma dotation est juste, je ne peux pas faire le calcul parce que je ne connais pas les valeurs. Par exemple, combien de mètres linéaires sur la commune au niveau de la voirie, je représente quoi en mètres linéaires ? Voilà. C'est les informations communiquées par les communes. On n'a rien inventé. Hein. Oui, peut-être. Voilà. C'est l'application. C'est les mêmes critères de calcul que se sert l'État pour la dotation forfaitaire, la DGF, de chaque commune. Donc, je dirais, il n'y a rien de nouveau. C'est les éléments qu'a communiqué les communes. Je vais essayer de répondre. Oui. Alors, en tant que non-expert du sujet, moi, je vais vous dire ce que j'ai compris. La première chose, c'est que ce qui a été mis en place, c'est la stricte application des règles qui ont été définies, avec une délibération qui définissait le calcul, avec des critères qui datent de 2019, une deuxième délibération qui a modifié les critères en application de la loi de programmation des finances et qui a modifié ces critères. C'est la stricte application de la règle qui a été mise en œuvre. Donc ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est qu'effectivement, il y a des communes, je crois qu'elles sont 8 ou 9, c'est les anciennes communes de Bourg-Tisserand, qui voient une diminution importante de leur DSC. Et du Vallon-du-Guier. Il y a 18 communes qui sont à la baisse. Pardon, et Vallon-du-Guier. Il y a 18 communes rapport, à la baisse. Par rapport à l'année précédente. 18. Mais pour l'essentiel, c'est les mêmes communes qui, l'an passé, ont bénéficié d'une augmentation significative de cette DSC, sachant qu'il y a un certain nombre de communes pour qui c'est resté complètement stable par l'application des règles telles qu'elles avaient été définies. On parlait notamment des abandons dauphinés. Donc, effectivement, tu as cité 2021, 2022 et 2024, en disant qu'on est toujours entre 10 et 15 000 euros, 10 et 16 000 euros. Je rappellerai, moi, 2023, où la dotation de solidarité était de 46 000 54 euros. Et c'est la même chose pour un certain nombre de communes. Encore une fois, c'est la stricte application des règles. Il y a eu une année 2023 qui était exceptionnelle, qui a permis de générer des dotations complémentaires dont certains ont bénéficié et dont d'autres n'ont pas bénéficié. Et cette année, la dotation globale, elle baisse. C'est le phénomène inverse qui s'applique dans la stricte application des règles. Donc voilà pour expliquer le détail. Maintenant, moi, j'invite chacun d'entre vous, bien évidemment, si vous voulez rentrer dans le détail du calcul, à prendre rendez-vous avec les services finances pour regarder l'ensemble des critères et l'application de ces critères. Alors après, globalement, moi, ça me pose effectivement, comme vous, un certain nombre de questions. Et la traduction que j'en fais, alors peut-être que vous allez considérer que ça ne va pas assez vite. Je crois qu'on est allé quand même assez vite depuis un an. On a avancé sur beaucoup de choses. On a initié la mise en place de ce travail sur le pacte financier et fiscal, parce que ça démontre bien que les mécanismes qui sont en place
ne sont plus d'actualité. Il y a des tas de choses qui ont changé et que ça peut avoir des effets qui sont parfois insatisfaisants. Parfois, ils sont trop satisfaisants et parfois, ils sont insatisfaisants. Donc, pour moi, il faut qu'on avance rapidement sur l'élaboration de ce pacte fiscal et financier. Au même titre qu'on a été ambitieux sur le projet de territoire en disant on veut le sortir en 9 mois, on s'applique les mêmes règles sur le pacte fiscal et financier. Et moi, je souhaite qu'on puisse terminer le travail et essayer de se mettre d'accord d'ici la fin d'année pour qu'on puisse le mettre en œuvre dès le budget 2025. Ça me paraît difficile parce que là, on touche un sujet qui est la dotation de solidarité aux communes. Il y a plein d'autres sujets qui peuvent être impactés par les enjeux de pacte fiscal et financier. Et il faut absolument regarder le sujet dans son ensemble et pas thématique par thématique. Voilà, donc, encore une fois, pour ceux pour lesquels il y a un impact négatif par rapport à la dotation précédente cette année sur la DSC, il y avait eu un impact très positif, très important l'an passé. Et là, effectivement, il y a eu moins de remarques à ce moment-là. Donc voilà ce que moi, je vous propose. Je ne sais pas faire autrement que ça, quoi. Voilà. En fait, même si des communes ont été figées par délibération précédente, le premier critère à prendre en compte, c'est les 160 000 de différence. Les 160 000. 741 000. Oui, oui, la baisse de la DSC, hein, puisqu'on oui, mais ça, c'est des rôles supplémentaires. Ce sont les rôles supplémentaires, on n'a pas perçu. Donc on ne peut pas les reverser. On ne les a pas perçus. Donc Céline Revol pour Romagneux. Moi, je pense que ce qu'on est après dire, on l'a déjà dit, il me semble, on l'a abordé en tout cas en commission des finances. Et justement, pour remédier à cette différence que tout le monde ne comprend pas, moi, la première, je perds aussi de l'argent, on avait dit qu'on allait travailler ça de manière ardue en 2024 au niveau du pacte financier, fiscal et financier. Donc je pense qu'il faut être un petit peu patient. Et le pacte fiscal et financier, on avait essayé d'en élaborer un, il me semble, en 2018 ou 2019, qui a avorté et on est arrivé à rien du tout. Donc il faut espérer pour 2024. Et puis je pense que c'est vraiment l'occasion de remettre un petit peu, de rejouer les cartes, quoi, en fait. Et puis retrouver un équilibre et puis que chacun y retrouve à peu près son équilibre. Voilà, et moi j'insiste à chaque fois qu'on parle de pacte fiscal et financier en disant non, c'est un pacte fiscal, financier et de solidarité. Donc il faut... Alors, je termine, Robert-Jean Sadou, hein, je ne suis pas moutré, évidemment, contre cette délibération. Ce que je veux dire, c'est que l'année prochaine, si on revient sur une période de baisse, je serais bien ennuyé de voir mes collègues qui, aujourd'hui, sont figés, voir une baisse impacter leur budget. Si le pacte social, le pacte financier devait en arriver à une équité. Voilà, donc moi, je ne vais pas... aller loin. En effet, on a touché l'année dernière une somme importante. En 3 ans, on la paye, cette somme importante. En 3 ans de baisse, on la paye. Donc, en effet, c'était une bonne année. Mais sur le déficit qui est depuis 3 ans, on a déjà payé à peu près 18 000 euros sur ces 26 000 euros supplémentaires. Excusez-moi. Donc, finalement, c'est pas énorme. Ce que je remarque, je veux rajouter à ce que disait Max, je trouve ça dommageable. Dommageable. Pour la commune des Abrets, si on reprend bien l'année 2022 à l'année 2024, celle de référence, en oubliant 2023, ça représente moins 7 000 euros. Voilà, c'est comme ça, on fera avec, évidemment. Mais je pense surtout à mes collègues qui ont moins de finances, moins de budget, et qui, eux, pour le coup, ça passe mal. Ça passe mal dans l'esprit communautaire. Et il y a une règle, il y a un truc qui a été voté il y a 15 ans, enfin il y a 10 ans bientôt, excusez-moi, il y a tout cela, mais ça passe mal quand même à ce sujet-là. Donc en effet, il faudra travailler vite dessus et il faut faire en sorte que ces choses-là ne se reproduisent pas. Quoi. Voilà. Ça me paraît effectivement indispensable de remettre le métier sous l'ouvrage pour qu'on redéfinisse des règles nouvelles. Donc c'est le constat qui a été fait en commission finance, hein, et donc effectivement où tout le monde était d'accord justement pour dire qu'il faut revoir les règles, et c'est dans le pacte fiscal et financier qu'on va le faire. Réfléchir sur cette garantie donnée à la moitié des communes. Qu'est-ce que ça vient foutre, la moitié des communes, une garantie de toucher une somme qui n'est pas fluctuante, qui ne réagit pas aux critères imposés ou décidés entre nous. Ce n'est pas normal, ça. On est 8 ans après, on est la 8e année après 2017, et c'est encore en place. Alors évidemment, le passage, ça m'arrange. Oui, il y en a quelques-uns. Voilà, non, attends. Oui, non, mais attends.
Voilà, bien sûr. Ah non, attendez, moi je dis ce que les gens pensent. Hein. Il y en a quelques-uns. Effectivement, vous pouvez le présenter 10 années encore. Vous avez la majorité. C'est que la plupart des communes, à part les Abrets, voilà. Non, attends, à part les Abrets qui sont impactés par ces fluctuations et qui n'ont pas de garantie, les autres, c'est les petites communes. Alors, les petites communes, les discours, j'en entends. Hein. Il me semble que la ville centre, c'est la Tour du Pin, et Tour du Pin, elle bénéficie de garanties de la même façon. Oui, c'est ce que je dis. Mais vous n'avez aucun souci. C'est pas les petites communes. Pour voter ça, vous pouvez voter ça 10 ans de suite. On peut bien à Gautier, il peut bien ouvrir sa gueule, ça ne changera rien. Vous pouvez voter une garantie à des communes. Sur quel motif des communes seraient protégées? Je pense qu'on a compris. Non, mais on a compris. Je pense qu'on a compris. Je vais peut-être me répéter. Engage-toi. Mais alors, je m'engage, comme je le fais toujours. Je suis élu depuis 1 an. Je pense qu'on a modifié beaucoup de choses. On a fait tout ce qu'on a dit. J'avais annoncé qu'on mettrait en place un pacte financier et fiscal. On l'a amorcé. On va regarder ça tous ensemble. On va essayer de modifier les règles. On les présentera en conseil communautaire. Le conseil communautaire est souverain pour les adopter ou pas. Et donc, je m'engage à ce qu'on modifie les règles. Ce que je fais là, tu l'as dit toi-même, c'est quelque chose qui est en place depuis 8 ans. Donc, pourquoi on reproche cette année à l'exécutif qui vient d'être mis en place depuis un an de ne pas avoir modifié ces règles? Parce qu'on voit que les modes de calcul... Elles sont en place depuis 8 ans, tu l'as dit toi-même. Parce qu'on voit que les modes de calcul, ils impactent la moitié des communes et pas les autres. Donc, on se dit, elle est où? Non, il l'a expliqué. Laurent l'a dit au début. Oui, mais c'est pas nouveau. C'est pas nouveau, Max. C'est pas nouveau. Je rappelle simplement, c'est ce qu'on a voté, nous, élus. Donc... On va essayer de... On va essayer de garder un peu de... S'il vous plaît, on va essayer de garder un peu de rigueur dans le fonctionnement du conseil communautaire. Pour ceux qui veulent s'exprimer, ils prennent la parole au micro. Pardon. Donc je voulais juste simplement, c'est que tout ça a été abordé en commission des finances, a été expliqué. Hein, le constat, on l'a fait ensemble. On est d'accord sur la démarche à lancer et qu'il faut la faire rapidement. Je rappelle simplement que ce qui a été voté en 2019, c'est... les élus qui étaient présents en 2019 qui l'ont validé. Ça n'a été pas voté à l'unanimité, parce que je me rappelle qu'il y en a une personne qui a voté contre, qui s'appelle Max Gauthier. Hein. Donc, bon, au moins, t'es fidèle dans tes positions. Donc, c'est quelque chose que tu connaissais, pour laquelle tu as voté contre, on est d'accord. Mais il y a eu un vote, je dirais, par les élus qui étaient présents à l'époque. Voilà. Moi, j'ai un peu de mal à comprendre pourquoi... On reproche, c'est ce qu'on est en train de faire, de prendre le dossier à bras-le-corps alors qu'il n'a pas été fait depuis un certain nombre d'années. J'ai du mal à comprendre ça. Voilà, parce que moi, je m'engage à le faire, essayer de résoudre un problème qui ne date pas d'hier matin, qui date depuis un certain nombre d'années. Voilà. Donc, moi, c'est la méthode que je vous propose. J'espère qu'elle peut convenir. Je comprends que cette année soit douloureuse pour certains. Je rappelle que ces mêmes communes pour lesquelles c'est douloureux certains, il y avait aussi une injustice l'année passée, mais qui était dans le sens inverse. L'injustice était dans le sens inverse, c'est-à-dire que les communes ont profité d'une augmentation du montant total de la DSC, alors que certaines n'en ont pas profité justement parce qu'il y avait cette butée et s'il y avait cette couverture qui plafonnait la contribution de la DSC. Et donc plusieurs élus d'ailleurs de ces communes-là étaient intervenus l'année dernière au même moment. Et je me rappelle de l'intervention de Jean-Paul Paget là-dessus pour dire qu'ils ne comprenaient pas pourquoi ils ne bénéficiaient pas de l'augmentation effectivement de l'enveloppe. Hein, donc encore une fois, c'est bien le constat dans un sens comme dans l'autre qu'on est arrivé donc au but et qu'il y a lieu de revoir, de remettre à plat ces calculs. Je ne voudrais pas couper les débats. Y a-t-il d'autres souhaits de prise de parole avant de passer au vote? Pardon, pour la Tour du Pin, bon, après on va pas s'étendre éternellement. Moi, j'attends effectivement pour l'avenir, mais qu'on peut comprendre tout à fait les demandes des autres communes. Hein. On n'est pas non plus sur un pré carré. On comprend tout à fait les interrogations, en tout cas, des collègues. Hein. Alors, on va passer au vote. Donc il s'agit de décider de fixer la dotation de solidarité à 582 173 euros pour 2024, selon les modalités décidées en 2019 pour en déterminer l'enveloppe, décider d'appliquer les critères de répartition tels que définis dans la délibération qui vous a été proposée,
et attribuer le montant par commune en découlant tel que défini ci-dessus également. Et enfin, dire que les crédits sont prévus sur le budget primitif du budget général 2024. Y a-t-il des oppositions? 1, 2, 3, 4, 5. Gardez les mains en l'air et si vous avez des pouvoirs, vous levez les deux mains. C'est bon, vous avez noté? On est sur les oppositions pour l'instant. Hein. Vous avez 6. 6. C'est bon, c'est noté. Y a-t-il des abstentions? Max, tu peux baisser la main. Merci. Six abstentions. Eh bien, la délibération est adoptée. Et on passe, il faut que je retrouve le fil. Donc, on passe à la délibération 2.27 qui concerne la détermination de l'enveloppe de fonds concours pour 2024. La parole est de nouveau à Laurent Michel. Donc, autre élément donc, de la solidarité apportée par la communauté de communes. Donc, ce sont les enveloppes, l'enveloppe de fonds de concours donc pour l'ensemble des communes de notre territoire. Donc, je rappelle que ça a été mis en place donc en plus donc de la dotation de solidarité communautaire qu'on a évoquée à l'instant, et qu'un règlement du fonds de concours a été adopté par le même soir donc par une deuxième délibération donc en 2019. Qui fixe effectivement les critères qui sont utilisés pour répartir donc la dotation et surtout pour solliciter ce fonds de concours. Comme toutes les années, donc il convient d'en fixer l'enveloppe pour 2024. Ce qui vous est proposé ce soir, c'est de reconduire l'enveloppe qui était validée donc les années précédentes, soit le montant de 380 000 euros. Le fonds de concours, donc, je rappelle, hein, qui sera attribué, devra donner lieu à une délibération concordante de chaque commune pour valider donc, le montant. Donc, vous avez le montant donc, du fonds de concours 2024, réactualisé avec les données donc, fournies par l'État et qui sont reprises aussi dans la DGF, donc, qui est la population DGF. D'accord, de chaque commune et qui permet de refaire la répartition en fonction de l'évolution à la hausse ou à la baisse de cette population, toujours dans l'enveloppe de 380 000 euros. Voilà. Est-ce que... Donc ça, c'est, je pense, un petit peu plus simple. Oui. Vas-y. Je vais prendre pour être cohérent, je vais m'abstenir aussi également parce qu'en effet, cette enveloppe de commande fonds de concours avait été faite pour ne pas appliquer une DSC sur le premier pacte fiscal lors de la création de la Valdufini en 2017 par déontologie, même si pour le coup, eh bien, beaucoup sont bénéficiaires sur cette chose, je vais quand même m'abstenir voilà, dans l'esprit de vouloir bien réformer cette DSC. Pas d'autres interventions? Je vous propose de procéder au vote. Il s'agit donc de décider de fixer l'enveloppe du fonds de concours 2024 à hauteur de 380 000 euros et de dire que les crédits sont prévus au budget primitif 2024 du budget général. Y a-t-il des oppositions? Y a-t-il des abstentions? 1, 2, 3, 4, 5, 6. On revérifie. 1, 2, 3, 4, 5, 6. La délibération est adoptée. Donc je sous-entends que ces communes-là refusent de percevoir le fonds de concours pour 2024. C'est ça? Bien, on va passer à la délibération 2.28 et qui concerne la fixation du produit de la taxe GEMAPI pour 2024. La parole est à Laurent Michel.
Oui, allez, reprenons un peu de sérieux. Donc, fixation du produit de la taxe de GEMAPI pour cette année 2024. Donc, je rappelle que la collectivité donc, a pris la compétence GEMAPI donc, depuis le 1er janvier 2018. Hein, c'est une compétence obligatoire pour nous. La communauté de communes donc, s'est substituée aux communes au sein des différents syndicats qui sont gestionnaires de nos cours d'eau. Donc, il est rappelé que la collectivité donc, a institué cette même taxe GEMAPI donc, en 2018. Le montant est à répartir par l'administration fiscale sur les quatre taxes locales. Hein, on fixe le montant et ensuite, c'est les services de l'État qui font la répartition sur les quatre taxes. Donc, le produit de cette taxe sera exclusivement affecté au financement résultant de l'exercice de la compétence GEMAPI et donc qui a été transféré aux différents syndicats. Selon donc, les éléments fournis par les syndicats qui sont sur notre territoire, il est proposé donc, de fixer le produit de la taxe pour 2024 à hauteur de 560 225 euros. Qui est en augmentation en moyenne de entre 3 et 5 % donc, selon les syndicats. Y a-t-il des observations ? Non, je vous propose de passer au vote. Il s'agit d'approuver la fixation du produit de la taxe GEMAPI à 560 225 et de dire que le produit voté intègre la compensation éventuelle versée par l'État au titre de la taxe GEMAPI dans le cadre de la réforme des valeurs locatives industrielles prévue par la loi des finances. Y a-t-il des oppositions ? Y a-t-il des abstentions ? La délibération est adoptée à l'unanimité. Délibération 2.29 qui concerne la taxe d'enlèvement des ordures ménagères, la TOM. Et la parole est donnée à Laurent Michel. Donc effectivement, fixation donc du taux d'imposition de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères donc pour l'année 2024. Donc je rappelle que cette compétence obligatoire, donc collecte et traitement des déchets des ménages et déchets assimilés, a été transférée donc au Cyclom depuis donc le 1er janvier 2022. Je rappelle donc au Conseil communautaire donc, que le Conseil communautaire de 2022 donc, a décidé d'appliquer le mécanisme de lissage des taux dans les conditions prévues par la loi, que la période de lissage avait été fixée à 3 ans, donc pour se terminer en 2025, avec l'objectif hein, d'avoir un taux unique en 2025, d'où ce lissage qui se termine en 2025. Pour financer ce service donc, de gestion des déchets, il est proposé donc, de modifier les taux de taxes d'enlèvement des ordures ménagères pour l'année 2024, compte tenu des éléments de lissage d'une part, et de tenir compte aussi de l'augmentation demandée par le Cyclom, qui est fixée pour notre collectivité à 10,7% pour 2024. Le produit attendu donc, pour 2024 demandé par le Cyclom est d'un peu plus de 7 600 000 euros. Donc les taux donc, en fonction des zones, puisque je vous rappelle que nous avons encore jusqu'à l'année prochaine donc 8 zones différentes. Donc la première zone passera à un taux de 11,99%. Pour la zone 2, donc 11,44%. Pour la zone 3, 12,51%. Pour la zone 4, 12,45%. Zone 5, 12,11%. Pour la zone 6, 11,76%. Pour la zone 7, 12,26%. Et enfin, pour la zone 8, 12,84%. Y a-t-il des observations ou des questions ? Non, et bien écoutez, je vous propose de passer au vote. Donc, il s'agit de voter les taux d'imposition de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères pour l'année 2024, telles qu'elles viennent de vous être présentées par Laurent Michel. Y a-t-il des oppositions ? Des abstentions ? Et bien, la délibération est adoptée à l'unanimité. Donc, projet de délibération
2.30 qui concerne la fixation des taux d'imposition 2024. La parole est redonnée à Laurent Michel. Effectivement, donc fixation des taux d'imposition 2024 donc pour les autres taxes. Donc je vous rappelle donc la proposition est, qui a été validée également donc par la commission finances, c'est la reconduction des taux de l'année 2023 pour application donc sur 2024. Puisque donc ces taux donc représentent donc les différentes taxes hein, qui sont appliquées donc aux différents ménages, sachant que la part de taxe d'habitation sur les résidences principales qui est encore appliquée hein, sur ces uniquement pour les résidences principales donc pour la, la communauté de communes est perçue par l'État hein, et puis après il y a une compensation qui est versée sur une fraction de TVA. Donc contrairement aux communes qui continuent à percevoir cette, cette taxe d'habitation pour les résidences secondaires. Autre élément, donc, comme nous avons une fiscalité professionnelle unique, donc nous avons la possibilité de mettre en réserve donc, la fraction de taux de cotisation foncière des entreprises, maximum qui ne serait pas utilisé donc, lors du vote, ce qui n'est donc pas pas proposé pour ce soir, puisque c'est de rester au taux de 2023. Donc, ce qu'on vous propose, c'est de mettre en réserve la fraction de taux de CFE qui serait capitalisée pour un taux de 0,22% en prévision éventuellement d'une augmentation sur 2025 ou les années suivantes, sachant que ce taux ne peut être utilisé que dans, dans une durée de 3 ans. Donc, ce qui est proposé ce soir, donc la reconduction des taux, c'est-à-dire la taxe d'habitation pour 8,22%, la taxe foncière sur les propriétés bâties pour 1,64%, la taxe foncière sur les propriétés non bâties 6,44% et la cotisation foncière des entreprises 24,5% avec mise en réserve donc de la fraction de taux de CFE de 0,22%. Est-ce que vous avez des questions ? Ou des remarques. Je n'en vois pas. Et je vous propose de procéder au vote. Donc, il s'agit de voter les taux d'imposition pour 2024 tels qu'ils ont été présentés, y compris la mise en réserve de la fraction de taux de la cotisation foncière des entreprises de 0,22%. Y a-t-il des oppositions, des abstentions ? La délibération est adoptée à l'unanimité. Donc la délibération 2.31 qui concerne l'autorisation de programme et de crédit paiement. Donc je rappelle que nous avions eu dans la liste des recommandations de la Chambre régionale des comptes un certain nombre de points, notamment un point qui était la recommandation numéro 3 qui concernait la mise en place d'une gestion en autorisation de programme et de crédit de paiement pour les principales opérations d'investissement pluriannuelles. C'est ce que nous essayons de faire dès ce budget 2024. La parole est à Laurent Michel. Donc effectivement, comme tu l'as rappelé, c'est une recommandation importante donc, de, par la Cour régionale des comptes. Donc il vous est proposé donc, à l'occasion du budget 2024 de mettre en place une première autorisation de programme et de crédit de paiement. Donc puisqu'on peut mettre en place donc, des autorisations de programme afin de permettre donc, de supporter à son budget annuel l'intégralité d'une dépense pluriannuelle et de limiter le volume des crédits reportés qui obère l'équilibre budgétaire annuel suivant. Et puis ainsi d'améliorer la visibilité financière des engagements pluriannuels pour leur montant donc respectif chaque année. Je rappelle que les autorisations de programme donc, constituent la limite supérieure des dépenses qui peuvent être engagées par l'exécution des investissements. Elles demeurent valables sans limitation de durée jusqu'à ce qu'elles soient procédées à leur annulation donc par le Conseil communautaire. Et en plus, elles peuvent être révisées chaque année. Les crédits de paiement correspondent à la limite supérieure des dépenses pouvant être mandatées pendant l'année pour la couverture des engagements contractés dans le cadre des autorisations de programme correspondantes. Et donc, notre Assemblée vote la création des nouvelles AP. Tous les ans, elles délibèrent sur leur mise à jour, les virements de crédit entre AP éventuellement, l'annulation d'AP et le lissage donc, des échéanciers donc, des crédits de paiement.
Donc ce qui vous est proposé ce soir, donc, c'est d'engager cette première APCP donc, concernant la mobilité vélo, puisque là donc, on a un programme sur plusieurs années, sur 6 années exactement, avec au niveau du budget primitif 2024, donc un engagement d'1 083 527 €. Et en recette, donc les subventions pour 253 920 €. Hein, je rappelle que le programme total, c'est le montant de l'AP que vous avez devant vous, donc pour 5 583 527 €. Et donc il est proposé ce soir donc, d'approuver cette création d'autorisation de programme tel que je vous viens de la présenter. Et s'il y en a d'autres, on pourra aussi en mettre en place au cours de l'année et les années suivantes. Y a-t-il des observations par rapport à cette proposition ? Non. Eh bien, y a-t-il des oppositions à son adoption ? Des abstentions ? Donc, la délibération est adoptée à l'unanimité. On va passer à la délibération 2.32 et suivante, qui concerne de nouveau notre 7 budget. Il s'agit du vote du budget primitif 2024. Avant de donner la parole à Laurent Michel pour nous présenter ce budget primitif 2024, je voulais peut-être avoir quelques mots d'introduction pour partager les intentions que formalisent ces différentes délibérations. Donc là, lors de la présentation du ROB, j'avais rappelé quelques grands principes dans la logique de construction de notre budget. Premièrement, une situation financière saine, mais dont le rapport de la Chambre régionale des comptes avait souligné qu'elle était notamment liée à une politique de sous-investissement presque chronique et une prudence très forte dans notre gestion opérationnelle qui avait pour effet de scléroser nos capacités à renforcer notre fonctionnement ainsi que nos capacités à lancer concrètement des nouveaux projets. Et deuxièmement, que ce budget, y compris la façon dont il s'est construit, s'inscrivait dans le processus global de transformation voulu pour notre collectivité et qui se met en place par étapes successives. Alors, quelles sont ces étapes ? Il s'agissait d'abord d'essayer de recréer de la confiance au niveau entre l'intercommunalité et les communes notamment, de faire un état des lieux de la situation, hein, donc de partir d'un certain nombre de constats, de s'appuyer sur l'audit financier qui a été fait, de s'appuyer également sur les recommandations du rapport de la Chambre régionale des comptes, de se mettre d'accord sur une ambition collective au travers de notre projet de territoire, d'élaborer un projet d'administration qu'on a encore réévoqué tout à l'heure au moment de la création et des suppressions de postes et qui permet de passer d'une logique, pour transformer notre organisation. Construire un projet de budget de 2024 permettant de passer d'une logique qui était plutôt une logique comptable à une politique d'affirmation de nos ambitions au travers d'une stratégie financière claire et assumée. Et enfin, d'initier l'élaboration collective, j'y reviens de nouveau, d'impact fiscal, financier et de solidarité. Ce budget est donc une étape charnière dans ce processus de transformation. Et si on devait sortir quelques mots-clés du budget qui va vous être présenté, de mon point de vue, c'est un budget d'engagement, c'est un budget d'amorçage dans la mise en œuvre de nos ambitions. C'est un budget vertueux et un budget de responsabilité. Donc, je l'inscrirai dans une logique qu'on pourrait résumer comme suit. Il s'agit d'anticiper, de planifier, d'investir, de développer, et notamment développer nos services, et de contrôler. En conclusion, de mon point de vue de nouveau, je pense que notre collectivité, par ce budget, se met en ordre de marche. Il concrétise notre volonté d'un territoire autrement, tel que nous l'avons exprimé dans notre projet de territoire, pour devenir le territoire des possibles, ce qui est ce que nous avions noté dans ce projet de territoire et dans la déclaration d'intention. Donc je qualifierai donc ce budget de budget des possibles. Et je donne donc la parole à Laurent Michel pour nous présenter le budget général et les 6 budgets annexes. Avant de vous présenter effectivement les chiffres des différents budgets, je voudrais un petit peu apporter quelques explications dans la constitution de ce budget. Je pense qu'on va vous le présenter.
On devrait la, s'afficher. C'est bon, pour moi, je l'ai devant moi. C'est bon. Donc, au niveau du budget général et du fonctionnement, donc, on a un certain nombre de dépenses de fonctionnement sur les charges à caractère général. Donc, avec une augmentation donc, du coût de la vie hein, par rapport aux matières premières, notamment sur les restaurations des crèches, hein, où il y a des augmentations très importantes. Et puis, le renouvellement aussi à la hausse donc, du coût des marchés pour l'entretien des PDIPR. Également pris en compte donc, la mise en service de nouveaux bâtiments, hein, avec des bâtiments comme la médiathèque de Pont-de-Beauvoisin ou la LSH de la Tour du Pin, qui rentrent dans une année par contre de fonctionnement pleine. Et puis donc sur le développement donc, des nouveaux services donc, en accompagnement du projet de territoire. Donc sur ce chapitre-là, ça va représenter une augmentation de 7,5%. Et qui, donc, on verra, donc, sera inscrit au niveau du chapitre 11 à hauteur de 4 204 792 euros. Au niveau du chapitre donc, des charges de personnel, donc, on a là aussi plusieurs mesures impactantes. Donc, premièrement, les mesures gouvernementales. Je ne vais pas toutes les redétailler, mais un certain nombre de revalorisations qui ont été décidées par l'État. Plus à partir du 1er janvier 2024, donc l'attribution de 5 points d'indice supplémentaires à tous les agents. Et puis aussi l'augmentation du SMIC. Les mesures qui sont à l'initiative de la collectivité avec le projet de mise en œuvre du CIA. Donc les discussions se poursuivent avec les représentants du personnel. Et puis les provisions pour des mesures d'amélioration aussi de la politique sociale donc au bénéfice de nos agents. Et puis, bien sûr, comme l'a cité le président, hein, la réorganisation de l'administration avec les créations de postes. On vous les a présentées tout à l'heure. Hein, et puis le fonctionnement aussi des nouveaux équipements qui ont nécessité effectivement de renforcer donc, les équipes. Donc tout ça représente une augmentation de plus 6% et donc un montant qui sera inscrit donc, au chapitre 12 de 11 528 280 euros. Au niveau des autres charges de gestion courante, donc c'est essentiellement les participations donc, aux différents syndicats avec donc, la participation donc, au plus important, donc, c'est le Cyclome. Hein, je vous l'ai évoqué tout à l'heure, donc, une augmentation de 10,7% qui va représenter une participation de 7 610 530 euros. Également des participations donc, pour le SAGAV, le SCOT et puis des subventions aux différentes associations. Et puis le montant de la GEMAPI que nous venons de voter donc, qui représente donc, globalement sur ce chapitre-là une augmentation de 7,4%, soit une inscription au niveau du chapitre 65 à hauteur de 9 719 279 euros. Alors un mot quand même sur les recettes au niveau du fonctionnement. Notamment les impôts et taxes. Hein. Donc, il y a l'augmentation donc, des bases des différentes taxes, qui n'est pas d'ailleurs de 3,8%, mais de 3,9% qui a été décidée donc, par l'État. Sachant qu'au niveau des bases donc, pour l'impôt économique, la CFE, il est de plus 3%. Et nous venons de voter donc pas d'augmentation des taux de la part de notre collectivité. Au niveau de l'atome, on vient de le valider aussi, donc la poursuite du lissage et la hausse de la contribution du cyclone. Et enfin, donc la GEMAPI, en ayant voté effectivement l'enveloppe, donc il y aura la répartition donc sur les différents taxes donc qui seront réparties par les services fiscaux. Ce qui fait un montant donc, de 26 501 068 euros, donc, ce qui représente une augmentation de 13,7%.
propose maintenant de passer effectivement à la présentation des différents budgets, en commençant donc par le budget général, la synthèse donc du fonctionnement. Nous avons un budget donc primitif 2024 qui va s'équilibrer à hauteur de 51 010 545 euros. Pour la partie investissement toujours de ce budget général, nous avons un équilibre du budget qui à hauteur de 21 692 860 euros. Les budgets annexes maintenant, avec le premier, l'action économique. Un fonctionnement qui s'équilibre à hauteur de 1 347 853 euros. Et au niveau de la section d'investissement, donc un équilibre à hauteur de 3 741 482 euros. Sur le budget annexe donc du service de l'eau, au niveau du fonctionnement, donc un équilibre à hauteur de 9 271 276 euros. Toujours sur le service de l'eau, mais la partie investissement, donc à hauteur, un équilibre du budget à hauteur de 7 142 565 euros. Avec, je vous rappelle, donc principalement donc le lancement du schéma directeur d'eau potable, hein, et puis un certain nombre de mises aux normes de captage, hein, avec un certain nombre de travaux qui sont déjà en cours. Au niveau du budget annexe donc du service assainissement, pour la partie fonctionnement, un budget primitif qui s'équilibre à hauteur de 6 964 068 euros. Et pour la partie investissement, donc à hauteur de 11 070 526 euros. Hein, je vous rappelle là notamment donc les investissements importants pour la mise en conformité d'un certain nombre de stations, hein, dont on a déjà eu donc l'occasion de parler. Au niveau du budget annexe du SPANC, en fonctionnement, un équilibre à hauteur de 95 293 euros et en investissement donc à hauteur de 9 230 euros. Donc à noter que compte tenu du déficit de l'année 2023, donc il y a une subvention du budget assainissement donc qui vient équilibrer ce budget à hauteur de 25 000 euros. Sur le budget annexe donc des zones d'activité et d'aménagement des zones, donc sur la partie fonctionnement, un équilibre donc à hauteur de 22 415 779 euros. Sur la partie investissement, donc un équilibre à hauteur de 20 126 669 euros avec un certain nombre de travaux donc sur un certain nombre de zones. Les travaux les plus importants, c'est effectivement l'extension de la zone de la Corderie à Saint-Clair-de-la-Tour. Enfin, sur le dernier budget annexe donc, qui concerne la zone d'Islette, donc, il est prévu malgré tout au budget primitif 2024 donc 110 000 euros pour lancer les études et éventuellement les acquisitions de terrain. Au niveau d'investissement, la même somme, hein, puisque donc sur les budgets de zone, donc c'est le budget de fonctionnement permet de financer l'investissement. Voilà. Est-ce que vous avez des questions ou des remarques sur ces propositions de budget primitif ? Oui, Max Gauthier, Rochelieu. Une petite observation. Tu as évoqué une participation de 25 000 euros du budget au communautaire au budget assainissement. Tu voulais dire SPANC ? Du budget d'assainissement vers le budget annexe du SPANC. Voilà. Parce qu'on reste dans l'assainissement, hein, bien entendu. Hein. Non, moi j'étais intervenu la dernière fois ou l'avant-dernière fois, un peu en porte-parole à la demande de la présidente de l'AFR de
de Val-de-Virieu concernant les engagements, enfin les, la situation de ces associations, de ces bénévoles qui régissent à peu près la moitié des centres des CNSH, des anciens centres aérés. On avait dit à l'époque qu'il y avait une réunion prévue. Je crois avoir appris qu'elle a eu lieu il y a deux jours. Donc ma question par rapport au budget, c'est paru, ça a été affiché tout à l'heure sur le chapitre 65, il a été évoqué en petit, y compris les subventions aux associations à LSH. Donc je voulais savoir qu'est-ce qui avait été prévu dans le budget par rapport à ce souci, cette demande et peut-être cette réunion, sauf que j'imagine que le budget était prévu avant la réunion, puisque si la réunion a eu lieu hier, j'espère que le budget était prêt avant. Voilà, qu'est-ce qui en est ? Donc la réponse peut être faite par toi, puis peut-être par... Oui, tout à fait. Il a été prévu comme le montant, je dirais, équivalent à ce qui avait été prévu en 2023. Hein, voilà. Après, c'est un dialogue de gestion. C'est pas vraiment ce qui semblait demander. C'est pour ça. Est-ce qu'il y a une hausse ? Est-ce qu'il y a quelque chose qui a été intégré dans ce budget ? C'est toute ma question. Je vais laisser répondre le spécialiste. Il y a ce qui est demandé. Il y a ce qu'on a répondu. Et dans la réponse que j'ai faite, j'ai dit qu'on instaurait un dialogue de gestion, que s'il y avait des difficultés, on regarderait comment on peut affronter ensemble ces difficultés, y compris en passant par des délibérations modificatives si c'est nécessaire. Voilà. Mais je crois qu'on s'est exprimé déjà longuement sur le sujet. Effectivement, ça a peut-être un peu tardé pour aller les rencontrer. Moi, je le regrette. J'aurais souhaité que ce soit plus rapide. Mais il y en a beaucoup, beaucoup de sujets sur la table aujourd'hui. C'est... pas facile d'être sur tous les fronts, on s'y emploie, mais il n'y a rien de changé par rapport à ce qu'on avait dit, ce qu'on avait annoncé. Voilà. Et je ne sais pas si Michel, tu veux compléter ? Donc oui, la discussion a bien eu lieu. Si tu as besoin de réassurance, je crois que je peux en partie te les apporter, puisque nous avons trouvé quand même un échange qui était extrêmement positif. Des demandes qu'on a entendues, par exemple, nous sommes passés sur la masse salariale de 65 à 70%, enfin c'est technique, mais c'est une augmentation qu'ils ont pu apprécier. Et surtout, on a ouvert le dialogue en fonction du budget qu'ils vont nous présenter fin début mai, pour qu'on puisse, justement, cette écoute, comme le dit le président, et ces réajustements puissent avoir lieu. Nous sommes conscients que, comme l'a dit Laurent, il y a des augmentations au niveau de l'alimentation, il y a des augmentations au niveau de la charge du personnel. Mais on leur a aussi dit qu'il fallait tenir compte d'un ensemble d'éléments qui vont aussi arriver. C'est la baisse de la natalité, déjà qui s'observe dans toutes les communes puisqu'il y a des fermetures d'écoles. Et donc dans les centres de loisirs, ils vont être aussi impactés dans la prise en charge du nombre d'enfants. Donc tout ça, il n'y a pas de prêt-à-porter de la bonne mesure. Il y a une écoute et un prêt-à-porter permanent au jour le jour, puisque les centres de loisirs, comme les enfants, ils grandissent ou enfin, ils diminuent pas, mais ils bougent en fonction des événements qui arrivent. Voilà, la situation économique ou démographique, par exemple. Ai-je répondu à tes inquiétudes ? Il n'a jamais été rompu, mais là, il a été très fructueux et chaleureux. Y a-t-il d'autres interventions ? Non ? Eh bien, écoutez, je vous propose de procéder au vote pour les sept budgets tels qu'ils vous ont été présentés. La portée de la délibération, de la décision, c'est de voter les budgets primitifs 2024 de ces sept budgets. Si tout le monde est d'accord, de le voter de manière globale. Hein. Ah oui, bien après, sûr. On peut voter budget par budget. Est-ce qu'il faut qu'on passe, voter le... S'il y a une personne qui s'oppose au vote global, oui. Oui. Alors on procède au vote budget par budget. Donc, budget général. Donc, qui est contre ? Qui s'abstient ? Une abstention. Donc, délibération adoptée. Donc, ensuite, le budget annexe des actions économiques. Qui est contre ? Qui s'abstient ? Donc, à l'unanimité, adopté. Le budget annexe du service de l'eau. Qui est contre ? Qui s'abstient ? Donc, adopté à l'unanimité. Le budget annexe du service de l'assainissement, qui est contre,
Qui s'abstient ? Adopté à l'unanimité. Le budget annexe du service public d'assainissement non collectif, le SPANC, qui est contre ? Qui s'abstient ? Adopté à l'unanimité. Le budget annexe des aménagements de zone, qui est contre ? Qui s'abstient ? Adopté à l'unanimité. Le budget annexe des aménagements de la zone de l'Islette, qui est contre ? Qui s'abstient ? Adopté à l'unanimité. Merci. Et je voulais avoir des remerciements tout particuliers pour nos équipes dans les services qui ont travaillé à l'élaboration du compte de gestion, du compte administratif et de cet exercice budgétaire. Chaque année, c'est un gros boulot qui mobilise beaucoup. Ils l'ont fait avec beaucoup d'efficacité et beaucoup de rigueur. Donc, je les remercie. Merci vraiment. On va changer de sujet pour passer au développement économique avec la délibération 3.1 qui concerne le versement de subventions aux entreprises de l'économie de proximité. Je te laisse prononcer le nom de, parce que je ne suis pas sûr de le prononcer correctement. Du bénéficiaire ? Du bénéficiaire. Plénizen, puisqu'il s'agit d'un centre de soins et de beauté. Les deux premiers dossiers sont sur la commune de Saint-Clair-de-la-Tour, sur l'avenue de Savoie, et le hasard fait qu'ils se font face. C'est de commerce comme s'il y avait eu une émulation. Donc, le premier dossier, c'est Plénizen, où ce commerce de soins de beauté entreprend des travaux de rénovation du local et de la cabine de soins. Vous savez que les dépenses d'investissement sont plafonnées à 50 000 euros. La région intervient à 20%. Les Val du Dauphiné à 10%. Le dossier qui nous a été présenté est inférieur au montant plafond, puisqu'il est de 20 835,90 euros. Appliquer les 10%, c'est aisé à calculer, 2083,59 euros, et les 20% de la région donneront 4167,18 euros. Voilà le contenu de la délibération. Président, je te laisse la portée de la décision. Y a-t-il des questions ? Non, il n'y en a pas. Donc, il s'agit d'approuver le montant maximum de la subvention allouée à l'entreprise Plénizen dans le cadre de l'aide au développement des entreprises de l'économie de proximité. Y a-t-il des oppositions ? Pardon. Des abstentions ? Et bien, la délibération est adoptée à l'unanimité. Merci. On passe à la suivante, la 3.2. C'est la même démarche, mais pour la boulangerie Mamie. La parole est à Jean-Paul. Merci. Donc, c'est quasiment en face du dossier que l'on vient d'aborder avec Plénizen. Vous savez, c'est la grande boulangerie-pâtisserie qui est bord de route, pas loin de la grande pharmacie non plus, pas loin de la mairie non plus. C'est un pôle commercial qui est tout à fait dynamique. Là, on change de gabarit puisqu'il s'agit de changement de four. Vous imaginez bien que la dépense, elle est très significative. Elle dépasse le plafond puisque le dossier est à 95 780 euros hors taxes. Mais nous, ramenons au plafond de 50 000, puisque c'est le plafond du régime des aides qui a été mis en place avec la région. Donc, sur une base de 50 000 euros, les 10% font 5 000 euros, les 20% font 10 000 euros. Le reste étant naturellement à charge du commerce. C'est l'achat d'un nouveau four à Pelès. Ce sont des dépenses extrêmement lourdes. Voilà, Président. Avez-vous des questions ? Non, donc il s'agit d'approuver le montant maximum de la subvention allouée à l'entreprise Boulangerie Mamie dans le cadre de l'aide au développement des entreprises de l'économie de proximité. Y a-t-il des oppositions, des abstentions ? Adopté à l'unanimité. Merci. Donc la 3.3, et qui concerne cette fois l'entreprise Jean Seb. Jean Seb pour Jean-Sébastien Guinet, qui est installé sur le territoire des Abrets en Dauphiné. C'est un peu au bout du parking qui est devant la mairie, tout au fond. Pour la repérer, c'est facile. Il y a un rose fuchsia qui saute aux yeux quand vous voyez la façade. Vous pouvez pas la rater. Ça vaut tous les panneaux d'information. Là aussi, c'est un travail lourd de rénovation complète du local et du laboratoire, mise aux normes d'hygiène, achat d'un nouveau four. Donc avec des dépenses qui dépassent le plafond d'aide puisqu'elle s'élève à 74 250 euros. Ramener au plafond de 50 000, ça fait aussi 5 000 pour les Val du Dauphiné, 10 000 pour la région. On ne peut que se réjouir d'abord des commerces de centralité, tenir en centralité, se développer, se moderniser. Et dans les sujets boulangerie et pâtisserie, résister du mieux possible à de grandes chaînes de distribution de boulangerie ou de pâtisserie qui s'installent généralement dans les zones d'activité périphériques. Et là, on a sur la centralité
un dossier qui est conséquent. Voilà, Président. Avez-vous... La réalisation d'un accès à une parcelle qui n'était pas desservie et qui va accueillir les établissements Bonfils sur l'étang de Charles. Un point d'information, hein, le permis de construire est déposé par Bonfils depuis le 17 janvier, je crois. Je regarde le maire des fois qu'il me reprendrait. Il fait l'objet de demandes de pièces complémentaires, pas pour gagner du temps, mais il manque notamment l'étude de sol, qui est quand même un document assez, assez essentiel. Les contacts que nous avons eus avec le responsable, M. Piazer, il nous laisse entendre que les pièces complémentaires vont être fournies sous quinzaine de jours. Donc le dossier devrait avancer, heureusement, parce que dans le compromis de vente qu'on a signé avec eux, il y a quand même des échéances qui se rapprochent. L'obtention d'un permis avant fin avril, le début des travaux, l'achèvement des travaux dans les 2 ans qui suivent. Donc on entre dans une phase très opérationnelle qui succède à une phase de discussion qui a été fort longue. Alors, vous pouvez avoir le sentiment qu'on a déjà délibéré. Effectivement, nous avons déjà délibéré. Mais sur un métrage provisoire, au moment où nous sommes engagés avec Bonfils, et avant même de finaliser l'ensemble des études qui permettaient de réaliser la voirie, de passer les réseaux fixes et humides qu'il nous faut pour desservir en limite de parcelles. Ce qui fait que vous avez 3 délibérations. La première concerne ces 3 entreprises que je remercie toujours d'avoir accepté de céder un peu de leur foncier pour permettre cette réalisation-là. Donc, c'est l'entreprise Alpifide. À l'origine, on avait retenu 34 mètres carrés, mais après plan définitif, réalisation des travaux et bornage, surtout, nous passons à 58 mètres carrés. Le prix ne change pas. Nous avions proposé, ça avait été accepté, de rester à 20 euros, qui était le prix auquel nous avions vendu ce foncier. Nous le rachetons au même prix. 20 euros, donc 58 mètres carrés à 20 euros, ça fait 1160 euros hors taxes, Président. Pour la délibération. Des questions ? Non. Donc il s'agit d'approuver la modification de la précédente délibération en date du 5 mai 2022, d'approuver l'achat de la parcelle pour une surface de cette fois 58 mètres carrés au prix annoncé par Jean-Paul, c'est-à-dire un prix total de 1160 euros hors taxes, en précisant que les crédits sont prévus au compte 75 du budget aménagement de zone. Y a-t-il des oppositions ? Des abstentions ? La délibération est adoptée à l'unanimité. Merci. Même sujet cette fois pour la délibération 3.5 sur l'achat de foncier aux ambulances Durand, toujours sur la zone d'activité étant Charles. Non. Aux abris. Non, pardon. Pas la même zone d'activité, mais donc cette fois, il s'agit de l'étang de Charles, oui, sur la commune des Arouets en Dauphiné. C'est l'étang de Charles. Ah, pardon. C'est la parcelle en face, c'est le début de la desserte. Il a commencé un peu de fatigue, oui, je crois. C'est la parcelle qui est en face, donc je ne vous réexplique pas le mécanisme. Nous avions délibéré pour 35 mètres carrés. Après plan définitif et travaux et bornage, en fait, c'est 71 mètres carrés qu'il nous faut acheter aux ambulances Durand, en fait, qui est propriétaire de la SCI-CMD. Donc on passe à 71 mètres carrés, toujours à 20 euros. Le multiple est aisé, ça fait 1420 euros hors taxes d'acquisition de ce foncier. Des questions ? Non. Donc il s'agit d'approuver la modif de la délibération du 5 mai 2022, d'approuver l'achat de la parcelle pour un montant total de 1420 euros hors taxes et dire que les crédits sont prévus au budget 75. Budget aménagement de zone. Y a-t-il des oppositions ? Des abstentions ? Non. Eh bien, la délibération est adoptée à l'unanimité. On reste sur les temps de charge, je ne me suis pas trompé. Et il s'agit maintenant d'un achat de foncier au garage Peugeot. Voilà, on termine cette voirie qui n'est pas si longue que ça, mais on mord sur 3 propriétés, dont, pour l'essentiel, le garage Peugeot, qui est en façade de la voirie départementale, qui avait, au-delà de ce qu'il utilise, un grand terrain qui ne lui était guère nécessaire. Rien ne se passait sur ce terrain-là. Il a volontiers accepté de supporter l'essentiel de la voirie d'accès à la parcelle dédiée aux établissements Bonfils, puisque, à l'origine, vous aviez délibéré sur 623 mètres carrés. En fait, ça fait 679 mètres carrés, toujours à 20 euros hors taxes. Ça fait 13 580 euros hors taxes d'acquisition de cette parcelle-là. Et franchement, pour finir sur ce dossier-là, le permis de construire,
J'ai bon espoir qu'il soit délivré, qu'il ne fasse pas l'objet de recours parce que les choses ne se présentent pas trop mal. La deuxième condition suspensive dans les compromis de vente ou les promesses de vente, c'est l'obtention des prêts bancaires. Et là, les établissements Bonfils n'expriment pas d'inquiétude sur leur capacité à réunir les prêts qui leur sont nécessaires pour cette réalisation qui est assez importante. Et nous vous en reparlerons le jour où les travaux effectivement se réaliseront. Donc voilà la dernière acquisition, Président. Eh bien, il s'agit d'approuver la modification de la libération qui s'était prise en même temps, c'est-à-dire le 5 mai 2022, d'approuver de l'achat de la parcelle pour un montant de 13 580 euros hors taxe et de dire de nouveau que les crédits sont prévus au compte 75 du budget aménagement de zone. Y a-t-il des oppositions, des abstentions ? Adopté à l'unanimité. Merci. Et on passe à la délibération 3.7. qui concerne une convention de partenariat relative à un projet de méthaniseur territorial dans le cadre du fait que le Val du Dauphiné a été lauréat de l'appel à projet GRDF qui s'appelle Zone industrielle bas carbone. Et la parole est donnée à Philippe Guérin. Merci, Président. Donc, effectivement, on est dans le cadre un peu de toute la politique et de la dynamique autour du plan climat et énergie territorial porté par les VDD, avec un objectif de développer des projets de méthanisation. Et dans le cadre, en parallèle de cette démarche initiée à l'échelle du territoire, donc le groupe Serge Ferrari travaille en parallèle, lui, à un projet de décarbonation de ses activités pour répondre à la fois à ses ambitions de pacte vert et puis à sa trajectoire bas carbone. Donc il y a eu des rapprochements, des échanges avec le groupe Serge Ferrari sur son ambition. Et l'idée justement d'avoir un projet commun avec Serge Ferrari, voire d'autres entreprises, parce que c'est pas du tout exclusif, pour voir comment on pouvait monter une approche et une étude de faisabilité de mise en place d'un projet de méthaniseur plus centré sur l'ouest du territoire. Donc il y a un partenariat qui s'est monté, puisqu'on a, comme tu le dis, Président, on a répondu à l'appel à projet GRDF et on a été retenu. On est lauréat parmi 6 projets nationaux. Donc on peut être, les VDD peuvent être fiers d'avoir pu atteindre cet objectif et d'être reconnu dans cet appel à projet. Et on est aujourd'hui dans une phase de faisabilité, d'étude. On n'est pas encore dans le go, ça y est, on va y aller. Et il y a une première étude de faisabilité qui a été faite par le cabinet Sol Agro, notamment sur le potentiel d'intrants possibles, notamment au niveau agricole, mais aussi biodéchets, etc., pour alimenter le méthaniseur. Donc il y a plusieurs projets. Donc on est dans une phase de projet qui a été faite, d'enquête auprès des agriculteurs aujourd'hui, et puis de poursuite de la faisabilité technique financière sur ce projet-là, en partenariat donc avec Ferrari, en partenariat donc avec GRDF. D'où cette convention de partenariat qui a été élaborée avec différentes phases d'études, Sol Agro, Chambre d'agriculture, entre autres, pour un coût total de 64 559 euros dans les dépenses, avec du temps dédié au projet. C'est du temps affiché par la communauté de communes, dans le montant, dans ses dépenses, à autour de 10 000 euros, et idem autour de l'entreprise Ferrari pour 10 000 euros. Donc en termes d'études, on est à 45 000. Le financement est assuré par GRDF à hauteur de 70% pour 45 000 euros, et les contributions des VDD et de Ferrari sont à un montant équivalent à 9 684 euros. Voilà, donc c'est pour une convention formalise cet accord, ce partenariat d'études de faisabilité d'un méthaniseur avec GRDF, l'entreprise Serge Ferrari. Et on a précisé les rôles de chacun en la matière, avec l'objectif d'avoir une étude de faisabilité qui se termine dans le courant de l'année 2024. Voilà, Président. Et puis se réjouir parce qu'on a dans le territoire, il y a eu l'inauguration de méthaniseurs sur Pressin, donc il y a une quinzaine de jours, et puis d'autres méthaniseurs avec des agriculteurs qui fournissent un méthaniseur aux avenirs en la matière. Donc il y a une dynamique territoriale finalement
qui se concourent, qui se développent sur le territoire en matière de méthanisation. Voilà, donc il faut, voilà, Président, approuver la signature de la convention de partenariat pour la réalisation d'études de faisabilité. Et puis, autoriser le président, voilà, je ne le dis pas, mais au moins approuver cette signature de convention. Y a-t-il des questions ? Bonsoir, Jean-Louis Reynaud, donc maire de Pressin. Donc, comme Philippe vient de le dire, on est en plein dans les projets de méthanisation qui se sont réalisés. Ma question, elle est sur l'étude de faisabilité. Est-ce qu'on connaît déjà l'emplacement où va se produire, où va être monté ce méthaniseur ? L'emplacement, aujourd'hui, n'est pas connu. Dans le détail, il y a des pistes qui avaient été évoquées hein, sur... Sur Cessieux, entre autres, sur d'autres, sur le sud du territoire. Il y a des problématiques aussi qui, d'accessibilité, d'acceptation sociale aussi du lieu. L'idée, quand même, c'est qu'il soit central au niveau de l'ouest, c'est un positionnement quand même central du territoire, et peut-être plus au sud, sur la partie sud, du territoire. Donc on est à la recherche d'autres terrains en la matière, puisque il y a des. Je sais que c'est une problématique au lieu du terrain. Voilà. Les critères d'emplacement sont multiples. Voilà. Et donc il n'y a aucune décision de prise en matière du choix du terrain. C'est plutôt on est dans la concertation. Donc, bonsoir Frédéric Cessieux, adjoint à la commune de Cessieux. Frédéric Lelon, pardon. J'avais déjà anticipé. Je suis fatigué. Donc, juste pour vous dire que ce soir, je vais m'abstenir parce qu'effectivement, l'emplacement qui pourrait être à Cessieux, or, il s'avère qu'on a une population qui se raconte parce qu'on a des antécédents avec la décharge et d'autres nuisances qu'on peut avoir par ailleurs. Donc, je vais m'abstenir. C'est bien pour ça qu'on est à la recherche aussi de tous les terrains possibles. D'autres interventions ? Non. Donc je vous propose de soumettre au vote. Donc il s'agit d'approuver la signature de la convention de partenariat pour la réalisation d'une étude de faisabilité, le méthaniseur territorial avec GRDF, l'entreprise Serge Ferrari, et définissant les rôles de chacun et actant le financement de cette étude. Y a-t-il des oppositions ? Des abstentions ? 1, 2, 3 abstentions. 4 abstentions. 1, 2, 3, 4. Ah, je ne te voyais pas, pardon, excuse-moi. 5. Et tu l'avais annoncé pourtant. Oui. Donc 5 abstentions. Et bien, la délibération est adoptée. On passe à la délibération 3.8 qui concerne la subvention pour la réhabilitation de 6 logements sociaux à la résidence Les Arendeaux à Biolle. Et la parole est donnée au vice-président Vincent Durand. Bonsoir à tous. Alors, c'est un classique hein, qu'on retrouve. Là, monsieur le maire de Biolle pourra compléter si besoin était. Donc, c'est effectivement la réhabilitation de logements qui se trouvent aux Arendeaux. Alors, c'est au Biolle, si je ne me trompe. C'est pas très loin de l'école, donc rue du Général Brocard, qui est, je crois, natif de Biolle. Si je me trompe. Voilà, donc ça c'est la petite parenthèse. Donc c'est un classique, hein, on accorde pour ces réhabilitations, c'est inscrit dans le cadre du PLH, une somme de 2000 euros pour la réhabilitation. Le détail est donné en termes de ce qui va être fait. Voilà, donc c'est un classique, il y a 6 logements, donc ça fait 6 fois 2, ça fait 12 000. Donc avec un acompte, premier acompte qui sera versé 30% et le solde une fois que les travaux seront achevés. Voilà. Y a-t-il des questions ? Non. Donc il s'agit d'accorder une subvention d'un montant de 12 000 euros à la Société d'habitation des Alpes pour la réhabilitation des 6 logements sociaux sur la résidence qui vous a été indiquée. Et dire que les crédits sont prévus au compte 20 421. Y a-t-il des oppositions ? Abstentions ? Non. Pardon, la délibération est adoptée à l'unanimité. Et on termine par la délibération 3.9. qui concerne la convention de partenariat 2024 entre les VDD et l'Office de tourisme du pays du lac d'Aigbelette. La parole est donnée au vice-président Philippe Latour. Merci. On va finir par une toute petite convention.
Vous savez que les offices de tourisme collaborent entre eux et on avait l'habitude de travailler avec Valier et le lac d'Aiguebelette pour notamment le site internet et le guide de manifestation. Il se trouve que Valier et le pays du lac d'Aiguebelette ont choisi de se séparer. Donc du coup, ça nous oblige à signer une convention un peu différente cette année avec uniquement le pays du lac d'Aiguebelette pour continuer à échanger nos activités, nos manifestations touristiques durant l'année et être présent sur le site internet du pays du lac d'Aiguebelette, ce qui nous permet de récupérer pas mal de touristes en provenance de cette région. Donc la portée est relativement modeste, hein, puisqu'il s'agit de signer une convention à hauteur de 327 euros, qui nous engage simplement, nous, à alimenter le site web et à dire quand le site web ne marche pas, et au pays du lac d'Aiguebelette à assurer une continuité de service pour ce même site. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Sinon, Monsieur le Président, je vous laisserai procéder au vote. Avez-vous des questions? Non. Eh bien, il s'agit d'approuver la convention de partenariat entre les VDD et l'Office tourisme du pays du lac d'Aiguebelette, de valider notre participation à hauteur de 327 euros et dire que les crédits sont prévus au chapitre 11 du budget général. Y a-t-il des oppositions, des abstentions? Eh bien, cette dernière délibération est adoptée à l'unanimité. Il me reste... D'abord, avez-vous des questions diverses? Non? Eh bien, il me reste à vous rappeler que la prochaine réunion du Conseil communautaire est prévue ici même le jeudi 23 mai à 18h30. Et puis, normalement, vous devriez avoir les dates des prochaines commissions qui devraient s'afficher, j'imagine. Je vous ai... Non ? Si, ça arrive. Ça va m'épargner de vous les rappeler. Et si vous n'avez pas d'autres questions diverses, la séance est levée à 21h25 et je vous propose d'aller boire un verre bien mérité, de nous retrouver dans la salle des commissions. Merci à tous. D'accord. Un peu, ouais. Hein, mmh.